protéger. Et oh, un petit saut, elle était belle. Belle patoune. Oh, le gros coup de feu, bien joué. On est en ligne, attention, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue aujourd'hui dans ce tournoi, ce ranking de Vampire Seigneur. Vous êtes à la dose de sel à Lyon. Aujourd'hui, ce sont les vampires savoureux, l'amour, le plaisir, les trésors de la vie. Comment ça va, mon cher Escalier? Eh bien, ça va très bien. Aujourd'hui, on aura plein de jeux à vous proposer. Ici, à la dose de Lyon, de sel. On aura quoi comme jeu? Est-ce que tu peux nous les citer? Les garous. On aura du coup une beauté de plein de jeux aujourd'hui. Et du coup, ce que vous avez à l'écran, si nous sommes réellement en ligne, parce qu'on m'a peut-être menti. Est-ce qu'on est réellement en ligne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on a aujourd'hui, là, vous présentez, c'est le ranking. Est-ce qu'on va faire le ranking de vampires de base en haut pendant tout le... On va faire le ranking de vampires pendant tout le stream? Ok, c'est lancé, ok. Ok, bien pour les fans de vampires aujourd'hui, vous aurez... beaucoup de vampires aujourd'hui, et là pour l'instant nous avons Litmenage qui vient de perdre contre son ami Banshee-Bot. Mais c'est pas important, c'est pas un match. Dernier match on lance. Dernier match de freeplay en tout cas annoncé. Toby Banshee-Bot, oh wow. C'est vrai que si j'allume pas mon micro, ça ne fonctionne pas. Merde. Depuis tout à l'heure, il parlait dans le vide. Et voilà, comme vous pouvez voir, on est très professionnel. Ah, ici, on est très fort. Hein. Voilà, c'est tu vérifies qu'il est encore allumé. Ouais. Oui, il est toujours allumé. De toute façon, je pense que la régie est bien. Ouais, c'est ça. Même si c'est un peu des mecs chelous, la régie, c'est pas très grave. Ouais. Si vous aussi, vous jouez à Genshin Impact, vous pouvez faire partie de la régie. Oui. N'hésitez pas. Il ne réagit pas. La régie qui n'écoute pas ce qu'il fait sur le stream. Hein. Voilà. Non, tranquille, on connaît. Pendant ce temps. Non, rien, on se moquait de toi. Voilà. Mais avec amour. C'est ça, on se moquait de la régie. C'est un travail, même si on n'est pas. Et pendant ce temps, Toby qui nous fait le travail game. Waouh! Toby qui nous pisse la colle, hein. Il est en train de prendre bien pour l'instant l'avant. Ah non, il vient de prendre un connu qui fait mal, mais c'est pas grave, ça se fait. Banshee est dans le coin. Le Tenraya pour les gratter. Le setup, oui, parce que Banshee-Bot s'est fait avoir. Il a setup qui prend la garde. Ok. Le match prochain, Toby, il n'arrive pas à venir. Faut faire attention là par contre. Un combo se faire très très mal. Ouais, là, peut-être une ouverture pour Banshee-Bot. Et ça peut être la mort, mais pour Toby, c'est pas très loin. S'il arrive à passer Dotenraya. Ouh, le setup, attention. Ah, et là, il a dashé pour aller choper, on l'a reconnu. C'est dommage. Et en plus, c'était un push block. Oh non. C'était le push block qui tue, la légendaire tech. Oh là là, et on commence 3-3. Et vampire, mais non. Ouais, et ça... Garou, mais non. Tranquille, les trois rankings qui commencent en même temps. Wow, mais c'est incroyable. Et on est combien aujourd'hui? Sur 3-3? Ouais, je crois qu'ils se sont trompés de jeu pour ce match-là. Bah, c'est pas grave. c'est pas grave. Il part sur 3-3. Mais attends, mais Adrien, il fait tout. Adrien, tu fais tous les jeux? Non, c'est Josplay qui est censé faire vampire. Ah, il est où? Vampire. Je sais pas, quelque part. Tu fais 3-3, toi? Ok. Ah mais c'est Toby qui fait vampire maintenant, ouais. Allez, Toby. Voilà. Il a pas pu parler. Et du coup, le premier match. Ah. Bon ben, je vais attendre. Hein. Bah, t'as le temps, donc, de toute façon, il est en match. Hein. On a une belle cinématique. Oh là là, c'est qui ça? C'est Lilith et Moiraine, c'est ça? C'est ça, des je crois. Des bons persos bien nuls. Ah, Dimitri. Jeda qui est aussi pas si. Ouais, pas ouf. Pas fou. Ah, ça c'est fort, ça. Ça c'est fort. Très fort. Ça on s'en fout. On s'en fiche. Mauvais, très mauvais. Très mauvais. Nul. Virez-nous ça. Voilà. Là c'est bon, on s'amuse. C'est ça, le meilleur jeu, tellement un bon jeu qu'on a un écran. Oui, c'est vrai. Victor, on va là un bon. Ouais, là c'est. Toby fait vampire. Du coup, peut-être le premier match qui est Nono qui va s'apprêter. Ouais, salut. Oh là là, salut. Qui va faire salut la caméra, salut le chat. Bonjour le chat. Comment ça va? Du coup, le premier match, ça va être Easy Morn, qui est un staff extrêmement bon, extrêmement galant, qui remplit mon cœur de joie et de bonheur. T'en fais pas un peu trop? Non, il est très très beau. Ouais, Easy Morn, oh là 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 là.
Il est tellement beau, il est tellement fort, voilà. Il me fait très peur. C'est un joueur du cœur. C'est la première fois que je vais le voir jouer sur Vampire, je crois. Ah ouais, pourtant, il fait tous les rankings, je crois. Oui, mais c'est mon premier ranking. Ah, mais c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, bienvenue, bienvenue. Mais c'est Eskegas, c'est pas McFly. Et McFly, bien joué. Bonjour, je suis. Ah, mais c'est parce que je suis Carl. Oh là là, il est tellement drôle là, il est aujourd'hui. Oh là là. Un max de fun pour vous aujourd'hui. Et si vous y a des gens sur le stream, n'hésitez pas à envoyer le stream à vos amis. Et c'est parti, le premier match entre Idiman et Kenono. Allez, un petit Dimitri contre une QB. Ok. Du coup, ça va être un joueur du nom de Idiman qui aime bien les dragons, qui aime bien faire les combos. Qui sait jouer au jeu, qui est très fort au jeu de combat contre Kenono, qui possède une abeille terrifiante. Qui joue en bas. Sur de ça se voit, il fait les mille pieds avec la veille, du coup il sort le coup de dard. Pour l'instant c'est relativement even. C'est even, hein, ça se donne. Ouais. Et du coup ça s'échange, voilà le combo belle trouvé. Punition. Ok, les dives, pour l'instant il trouve pas de bonne dive sur celui le don DP. On voit que c'est un joueur de Dimitri, hein, dive, DP. Dive, dragon. Et Kenono qui prend l'avantage. Très bonne pression. It takes the first round. Oh là là, la punition. HP. J'aurais pu faire plus mal, mais regardez les dégâts de Dimitri. Ok. C'est bon, la baisse. C'est bien puni. Maintenant, faut sortir du camp pour la QB. Oh, la punition avec les abeilles de dragon. C'est bien trouvé. Oh, le miel. Oh non, il aurait pu avoir mal combo derrière, mais c'est pas grave. C'est déjà ça. On prend Kenono. Ah, malheureusement, qui a pris ce dragon. Un peu tôt. Là, ça se joue, ça cherche. Oh oui, et voilà. Joli. Ah, on a un bel show pour sortir, pour sortir les positions. Oh. Il a checké le dash. Comme sur ses 5, la munition, oui. Oh, et ça va tuer, ça, évidemment. Kenono, t-shirt solide, jaune, solide. Abeille, solide. Et en plus, un beau gosse exceptionnel. Deux beaux gosses aujourd'hui qui s'affrontent en premier match. Attention, Easy Morn. Nous avons tous confiance en toi, tu peux encore le faire. Vas-y, Easy Morn. Voilà, et puis c'est Dimitri, hein. En plus, c'est Dimitri, tu sais le jouer. Il va faire dragon. Normalement, il faut faire dash dragon. Le mix-up, c'est dash dragon dive. Dragon. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le personnage générique et qui se demandent pourquoi dragon c'est aussi fort, et ben c'est parce que si vous faites dragon, il y a quasiment zéro frame de recovery. Je crois qu'il y en a zéro si tu fais dragon. Non, il y en a très légèrement, je crois, mais. Alors je crois que si il fait rien après dragon, c'est genre 3 frames de plus, donc dans un jeu très difficile. Ouais. Mais s'il fait dragon, parfaitement, je crois qu'il y a zéro frame de recovery. Ouais, alors le timing il doit être extrêmement serré, mais en tout cas, oui effectivement. Là, et c'est extrêmement fort. Et surtout, il a un dash qui fait instantanément cancel dans Dragon, ce qui est très très fort. Très fort, oui, on l'a vu. Là, on peut faire. Il a plein de jeux de bondage, mais il a surtout. Là, il abuse peut-être un petit peu des dragons. Là, voilà. L'ami Easy Morn, le talentueux, la dive qui a passé. Ouh, c'est loupé le Mickey. C'est dommage. Easy Morn qui s'en va dans le coin, qui fait des petits LP. Non, il a fait prendre la bougie, très très peur. C'est attention à la punition. Le il est tellement malin, regardez-le. Kenono, le joueur qui nous vient de Lyon. Je crois à les bonnes punitions, malheureusement. Et le DP. Le dragon. Je pense qu'il faudrait que Kenono arrive à finir sèchement le dragon. Parce que là, du coup, il en abuse complètement. C'est un peu le truc. Oh, voilà, voilà, voilà. Pour punir. Très bonne punition. Ça fait très mal ce spécial. Par contre, là, okay. C'est redescendu le combo. Pas maximum, ça aurait pu faire très très mal. C'est ça. Là, pour l'instant, je joue patiemment des deux côtés. Et regardez, juste avec des dragons à quelques pots, il est déjà revenu là, Easy Morn. Il y a pas eu une chance. Tu es dragon, bien c'est joué. Ça. Tu rates la punition, tu fais dragon. Ok, ça oui, c'est pas puni malheureusement. Oh le miel peut-être, il y a protégé derrière et au final. Et encore le miel dans la dive. Et bien Nono qui gagne la lecture. Bravo, c'était incroyable. J'ai fait un maximum de plaisir à regarder ce match. Kenono qui s'en va comme un vainqueur, comme le winner qu'il est, qui possède des très belles qualités. Très propre. Très très bon match. Ah bon? Ouais ben. Carl Kibanchi, tour 1. Bon bah deux légendes. Tu veux être P2? Tu reprends le micro, vas-y. Voilà. Voilà, donc c'est la première fois que je commente ce jeu, donc je ne sais absolument pas quoi dire. C'est pas grave, il faut dire. Bah au moins là ça va être un perso que je connais. Ouais, ça voilà. Compter les dragons de Carl King, ça c'est un truc. Oui, de toute façon. Crier quand Banshee il fait des sacs au combo. C'est ça. Le deuxième truc. T'inquiète pas, j'ai gueulé quand il y aura des sacs au combo. C'est tout. Voilà. Ouais, allez. Ils ont pas le temps, ils ont balancé direct. Allez, ils sont partis. La Banshee, évidemment, qui va mettre en place sa pression extrêmement forte. Pour l'instant, il reste un petit peu au bout. Il attend une opportunité.
Ah bah faut pas suicider sur Morrigan. Le perso on peut l'apporter mais... Et surtout ouais c'est pas si simple de prêter un fils de Morrigan vu qu'elle a un dragon. Ouais, le garde contre le dragon qui est bon. Bonne punition sur la boule en l'air. Ça va être la pression qui va commencer. Mais il reste patient hein. Chaîne, là. Ok. Ah oh, d'accord, une erreur de manip. C'est ça arrive. Ok, bonne balayette. Il y a deux barres du côté de Karlki, un petit combo démon, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ouais, et ça va mettre dans le coin. Dernière ouverture confirmée. Ok. Bon, le Cosy prend deux joueurs dans la place. C'est... Ça marche aussi, hein. 15 ans de combo. Allez, le dash tenté. Pour l'instant, Banshee qui a un peu du mal à rentrer dans son match. Ouais, mais si, je fais pas de soucis pour lui. Non, je ne m'inquiète pas non plus. Il va faire des trucs. C'est un joueur reconnu là, très solide. Mine de rien, quand même, Karlki a quand même une défense solide. Oui, puis Banshee peut pas se permettre de protéger. Ah, ça commence, ce petit panier. Et bien trouvé le combo panier. Maintenant, il a tout le momentum derrière lui. Voilà, il va continuer à presser. Karlki qui arrive plus à autour de son jeu. Voilà, il y a un petit dragon quand même. Ouais, c'est ça qui nous manquait. Il avait un dragon, ça peut servir. Ça sert de temps en temps, ok. La pression qui fait ça, c'est vraiment super dur à regarder. Il n'y a aucune raison qu'il touche ce cross-up, il était vraiment à 2 mètres, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est... Et la chop-stay, ça va faire si mal. Karl, il a trouvé un bon premier round et après il s'est fait, mais. Là, il faut qu'il reste, il garde cette solidité, il s'est un petit peu, il s'est un peu mis à douter après peu avoir effondré, perdu hein. la chauve-souris. Il aurait gardé son point de vue du début du match, ça aurait été... Clairement, je pense qu'il aurait pu mieux s'en sortir. Après, c'est vrai que c'est, ça reste un petit boss, en effet. Ah ben, Banshee, c'est un peu une légende. En tout cas, au niveau gagnant. Ah, il a raté, dommage. Ok, ça va mettre directement calqué dans le coin. La bonne le pression. Le dragon qui est pris. Ah, dommage, il a raté en droite. C'est pas ça ce qu'il a. Ah, très dur, hein, ce combo-là. Voilà, il est passé derrière le garde cancel, ça ne voulait rien dire. Ok, la pression elle est forte, bonne pour l'instant. Et Karlki qui a réussi à récupérer quand même sa barre de vie blanche. Ok. Ça joue. Mais bon. C'est dragon à travers le missile. C'est une super idée. Ouais. Dash MK pour MP pour prendre le round. Voilà. De la vie en de l'avance, mais c'est faisable. Hein. Morrigan ça a quand même des bons dégâts pour les bonnes ouvertures. Yes. Ok, bonne entière. Les gatling en l'air pour trouver les fan trap. Ah, le whiff unique avec le sacco. Dommage, ça drop. Ça drop le sacco. Ça fait quand même des petits dégâts. Hein. Gratuit. Il a quand même une chauve-souris d'avance. Il peut se permettre de juste faire des petits sauts. Ouais, il peut. Il a pas besoin de se presser. Il fait encore une chauve-souris dans le vide, c'est pas grave. Elle a Banshee qui fait quelque chose à l'envexer, mais pour l'instant, ils sont pas punis, donc ça va. On va quand même assez vite pour. Oh, dans le petit dragon EX, voilà. Il a bien voulu entendre. Hein. Et ça prend la première chauve-souris, mais il y a encore beaucoup de retard à rattraper. Ouais, c'est chauve-souris, c'est pas mal. Ouais. Aussi, un peu de notre pierre de main, hein, qui vient réussi. De partir. Et ça prend. Juste derrière. Et Banshee qui est resté solide jusqu'au bout et qui tue. Très solide. Voilà, donc là je suis censé rester. Voilà, on attend les gens. Ah non, il y a juste des gens qui voulaient qui gagnent. Mais malheureusement. Trop solide pour nous. Donc là, c'est Toby contre Justin. Bon, je vais donc commenter tout seul celle-là, ou tu reprends le... Ouais, donc on commence à deux, là. Ok, donc... Et qu'est-ce que tu veux, c'est ça. On se plaint, bonjour. Voilà. On est parti. Donc Lilith contre Lelei. Avantage quand même pour Lelei dans ce match dessus. Grosse pression de Toby pour l'instant. Ouais, Toby Déjà, il arrive à mettre ses pressions, ses attaques. Il est très bon en attaque, le Toby. Très fort, Toby, il a beaucoup progressé. Il a une barre, voilà. Il s'éteint Raya avec une barre. En même temps, il n'arrive pas à sortir du point.
Et là, Just Play, ouais, qui se fait bouffer. 1-0 pour Toby. Faut qu'il arrive à empêcher ce pressing. Hein. Il faut qu'il mette des dragons de temps en temps. Des dragons, des push blocks. Des push blocks, pas mal de push blocks. Quand même, un bon guard cancel. Hein. Alors, le dragon de Lilith, c'est pas le plus fort du jeu, même il est bien nul à chier, mais. Ça reste mieux que rien du tout. C'est mieux que rien du tout. C'est. Aïe oh, Vigor c'est plus beau, mais il nous met trop de pression hein, quand même. Ouais, il y a trop de pression. Il nous engueule si on touche les. Regarde, les tables, on fait ça. Il se plaint. Voilà. Allez, en tout cas. Petit pressing, chose payée, ça a commencé, ça a bien ouvert la garde. Bon raid. Là, la barre blanche, elle est forte pour nos play, faut faire attention. Et il y a la question qui tue. C'est beau, faut garder haut. Faut garder haut, et puis ça fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Là, vous pouvez voir. Les dégâts d'Antonia, c'est loin d'être négligeable. C'est une des très bonnes entières. L'un de l'entier, voilà. Entière. Et là, Toby. Toby qui a été. Impérial. Très très propre. Très mal. Très méchant. T'as été méchant, Toby. T'as été très méchant, tu vas être banni. Voilà. Faut qu'il gère son bracket, faut le tuer. Hein. Faut tuer vite. Ah bon, bah. Voilà. Ouais, bonjour. Allez, hein. Allez, bonjour. Le match des commentateurs. Ouais, c'est parti. Et c'est reparti tout de suite avec Eskagas contre Nicki Minaj. Les deux commentateurs précédents vont maintenant s'affronter. 6 frames réactables Eskagas, on me souffle dans l'oreillette. C'est vrai que c'est important. Il faut le préciser, on est capable de réagir à des choses inhumaines. Et ça commence directement avec un saut HP de la part de Nicki Minaj. Une ouverture assez naturelle, somme toute. Petit shot qui est trouvé, il a déjà perdu la moitié de sa vie, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer? Et non, le petit OS chop anti-air. C'est en 10 secondes la chauve-souris qui est tombée. Felicia, ça peut faire quand même beaucoup de dégâts. Mine de rien. La petite activation au pif, mais c'est pareil, il va juste se prendre un missile, c'est pas non plus la mort. Par contre, la Eskia commence à trouver des petits pots, à essayer de creuser un petit peu le désavantage. Mais malheureusement, une autre mise au sol de la part de Nicki Minaj avec deux OTG EX et c'est déjà fini. Ça va vite. Ça va vite. Ils sont déjà repartis. Est-ce qu'Agaz va pouvoir poser un peu plus son jeu et pas se faire fondre comme neige au soleil face au chat de Nicki Minaj? Je commence déjà à trouver un peu plus de trucs, mais malheureusement, il n'y a pas les bons confirmes derrière, il n'y a pas les mises au sol. Et non, mais il se fait quand même manger en neutral. Chaque truc de la part de Nicki Minaj est bien plus optimisé que de l'autre côté, donc le. L'écart se creuse. Voilà, une airshop avec l'OTJX, ça fait quand même pas mal de dégâts, mais c'est que des dégâts blancs. Faut temporiser, essayer de récupérer un peu sa vie, mais il continue à se faire presser, il n'arrive pas. C'est bon, ça remonte, tout va bien. Un petit dragon, yes. Pour finir un missile, c'était bien vu. C'était bien vu, là, ça va faire très mal. On y croit, prends au moins la chauve-souris. Non, le TJX qui m'a tué. C'est terrible. Nicki Minaj beaucoup trop fort. Voilà, après m'être fait rincer comme un sac, me revoilà sur le stream. Voilà, voilà, comme d'habitude, mauvais joueur, mais on se remet aux commentaires. C'est ça. En commentant les games de joueurs meilleurs que soi, comme là. Donc.
Ouais. Mais... C'est... Voilà, maintenant, bonne entière. La pression va être mise dans le coin, malheureusement. Il a pas peur. Voilà. Le Tenria. Tranquille. Ok. Est-ce qu'on va voir. Pour l'instant, il n'arrive pas à sortir de la pression hein, avec Felicia. Prêt. Oui, en tout cas, pour l'instant, Axel il a bien sa pression, malheureusement, juste quand je dis ça. Ah, faut faire attention au Tenryu, hein. Et voilà. Voilà, c'est. Il se fait backseat par les commentateurs. Il s'est fait backseat par les commentateurs. Voilà. Je tiens à dire qu'on devrait donc ban cet homme pour triche. Aïe aïe aïe, et du coup Toby qui rend hommage, hommage à Tom. Oui, premier tour. Mais j'ai déjà perdu. J'ai déjà perdu hein. Ouais. Si, j'ai déjà perdu. Bah j'ai déjà perdu. Voilà. Oui oui, désolé pas. Faut que je remonte plus. Mais j'ai fait 0-2. Ah non, je veux pas que ça soit 0-2. Oui, non mais je crois que vous êtes perdu en fait. Bah peut-être. Hein. Ah, s'il fait 0-2 à Vampire, il fait exprès. Hein. Allez. Voilà. Donc maintenant, oh, et le à voir Toby qui prend la première. Ok. Pour l'instant, c'est plus équilibré quand même pour le premier match. Oh, attention. Okay. Très bien, le Tenryu. Allez, bonne mise au sol. Attention. Allez. Ok. La première. Ah non, c'est pas la première. Ah, il a pas réussi à prendre la souveraine en chauve-souris, il pensait qu'il était devant. Bon. Ok, il la prend là. Il la prend avec un MP. Mais maintenant, pourquoi il est passé au-dessus? Non, il s'est enfui. Il y a pas eu combo, il aurait pu avoir combo max là de la part de Toby. Et malheureusement. Toby, t'as une barre, n'oublie reste... pas. C'est bon. Pas besoin. Pas allez. Besoin, pas besoin. Il fait super chaud ici, les amis, attention. Mais regardez, il y mord là, juste ici. Regardez-moi cet homme, il est exceptionnel. Il s'occupe des bornes, il s'occupe de tout ce qu'il y a ici présentement. Et le prochain match qui va être lancé sur Vampire, je ne sais pas encore. Et on va être rejoint par, attention, le plus grand, l'homme le plus beau. Bonjour. Et oui, c'est Fighter. J'espère que son nom sera écrit correctement ici. Et oui, ça c'est moi en tout cas. Karl la chaleur. Je suis tellement... Oh là là, Fighter Manchibot directement. Bon bah. Hop là, double mic. Fais un Shifumi. Il gagne après ça. Casse les couilles. Après, on va faire un peu des losers. Je me trappe pas parce que le siège. Je change de siège. Et attention, le match qui va suivre aurait pu être une grande finale. Oui, si ça on s'appelle avait... SC Functor là. Bah, c'est quoi cette histoire? C'est le mec qui a entraîné les Tortues Ninja ou pas? Mais oui. Et c'est Manchibot qui va affronter Fighter. Manchibot qui n'a pas mis pareil, son c'est encore un match qui pourrait être une finale de ranking. C'est juste le tour 2. Manchibot qui sape tous les finalistes, qui envoie tout le monde en loser. Manchibot qui est bien réveillé aujourd'hui. Il va le encore un petit bloc raté mais qui marche à sa faveur, ça c'est beau. Oui, Manchibot il a le sens de la chance, il sait faire marcher. C'est un peu le bon bonheur de Vampire Senior. Par contre, Fighter, il revient de loin, il revient de Grenoble, ça fait longtemps qu'il n'est pas bien en King, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué aussi. Il est chaud. Il a réussi à se libérer pour cette occasion spéciale. Et il compte bien en profiter, la garde qui était bonne de la Bouletta, malheureusement, la QB. C'est compliqué à gérer. Ouais, il a tenté un TB. Les embrouilles qui commencent. Aïe aïe aïe, il veut sauter, il se prend le MP, le combo malheureusement. Pas comboté du coup finalement. Le MP directement dans sa tête. Le Manchibot qui n'arrive pas à aller prendre en débit. Fighter qui est toujours qui passe derrière lui, qui lui fait un petit coup. Oh le missile dans l'air. Je pense que c'était tout. Je sais pas si c'était à mon avis du coup il a fait la charge. C'est wouh. C'est pas grave. Ça regarde bien de la part
Dimantubot, malheureusement, il a envie de sauter, il prend tous les MP, c'est dommage, il a perdu beaucoup de choses sur ses. Après, sur là, ses il sauts. Temporise, il vient pas s'empaler dans QB. Ouais, il a raison. Parce qu'il sait que là, une mise au sol, et ça peut vraiment aller très vite. Il prend les MP, là, il est en train de se prendre, il va falloir qu'il trouve une grosse phase. Mantibot, déjà que là, il peut peut-être à sortir du coin, pas en sautant, parce qu'il y a toujours MP à la réception. C'est peut-être maintenant qu'on part, malheureusement, le combo a été loupé. Attention, peut-être, une ouverture, non, sur QB, ça oui. Malheureusement, le LP, parce qu'elle est trop petite. C'est une pichou. En tout cas, il a pas envie de mourir, ah. Et ça, c'est beau. Désolé, salut. Au revoir, Nils. Tac. Et voilà, il finit par prendre le premier match quand même. C'était vachement serré, il a donné tout ce qu'il avait, mais ça n'a pas suffi à récupérer le désavantage de la vie. Je pense que rien n'est dit, et le deuxième match pourra tout changer. Je vais prendre le micro le temps que le temps qu'ils sont en train de jouer, que Karl est en train de jouer sur Garou, du coup salut, c'est Just Play. Vous m'avez peut-être vu tout de suite me faire absolument défoncer. Ouais, je suis désolé. T'inquiète pas, c'était sans enfance. C'est vraiment nouveau et j'ai jamais joué contre Lele aussi. C'est pas personnel, et ça pardonne pas. Bon. C'est des embrouilles en fait. Tu respectes trop, tu te fais juste embrouiller. Voilà. T'as un méga gros overhead, c'est ça? Ouais, c'est ça, la super c'est overhead. On a la boulette là de Bantibot, donc ça je l'ai vu pas mal de fois. On a aussi la Fighter King. Aussi, ça, je connais pas trop le jeu du coup, généralement. Oui, c'est un perso très cruel. Bon, là, il a pas trop l'occasion de poser vraiment la cruauté du perso parce que Banky a une défense très très forte. Mais en gros, il te met au sol et t'es dans le vortex infini. Et ta vie, elle fond. Voilà. Ouais, c'est un peu la même chose. Et tu peux pas réagir, enfin, ça va beaucoup trop vite. Donc, ouais. C'est à toi et tes options. Mais là, juste avec des taux. Pour l'instant, ça se cherche un petit peu en neutral. Olgar cancel pour garder le. Ah, il y a une. La chope. Bon, dommage, il a pas réussi à optimiser la mise au sol, mais c'est pas grave, il continue quand même à presser, à avoir l'avantage. Oh là là. Voilà, voilà, overhead. Voilà, comparer dans un seul coup, tu vois, surtout avec Kino. Tu peux varier et faire un low au milieu ou confirmer ton overhead. C'est pas mal à air chop. Qui est plutôt pas mal. Mais c'est. Oui, non, enfin. Il ne vaut mieux pas être au sol dans cette condition-là face à QB. Fighter qui a l'air vraiment par contre d'être. De contrôler la situation. Il n'a pas encore abandonné sa première vie. Il est quand même très très solide. Malheureusement, il n'est pas souvent là les dimanches parce qu'il taffe en général. Et quand il est là, il essaye de refaire le maximum pour essayer de voler un peu des points. Est-ce que ça se remonte à 30 secondes là. Bam bam bam. Ouais. Ça peut se remonter, hein. Deux bonnes ouvertures de Bouletta et ça peut aller très vite. Et attention par contre, le coin, ok, attends, il a le coin. Voilà, ça commence, il reste 17 secondes. Oh, il arrive à s'en sortir, il fait overhead. Et en plus, il commence à mixer. Ok. C'est dommage, il a fait une bulle de miel sans faire exprès. C'était probablement un push block raté ou un truc. Oh là, je suis en PIX, ça va faire mal, mais ça va pas suffire, il reste 8 secondes. Allez. Il reste 8 secondes. Peut-il le faire? Oui, il l'a fait. Magnifique. Anti-bot qui n'abandonne pas. Oh là. Terrible, là. Terrible. Tout ça s'est joué à si peu. Un overhead de plus de QB et c'était fini. Allez, c'est reparti du coup, voilà. Un partout. Voilà, quand même un très 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 gros match. Hein. Là, ouais, honnêtement, j'ai jamais vu une game devant un set de vampire durer aussi longtemps. Ah, bah là, oui, les deux sont assez monstrueux. Et il y en a pas un qui marche sur l'autre. En général, c'est un jeu où quand quelqu'un est plus fort, ça se voit très vite. Quoi. Le match se finit en 10 secondes. Et puis, voilà, on va confirmer. Et là, non, il y a des réponses des deux côtés. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Overhead. Là, il en a gardé deux. Il s'est dit, je vais baisser la garde et il s'en est pris un troisième. C'est ça, sur down. Pas de match. Oh là, là. Le cross-up qui touche à l'autre bout de l'écran. Okay. Ça va tuer avec OTV. Voilà. Pas de match de côté. Ex-aequo, une chauve-souris chacun. Ouais. Ça fait des trades et batailles aériennes. Ça, c'est pas mal. Ça part full screen d'un seul coup, bulle de miel. Voilà, c'est bloqué dans les airs. On poursuit. Oh, ok, la mise au sol. Ok, on arrive à s'en sortir. Là, pareil, ça reste vachement serré au niveau de la vie. C'est
joue un petit Pouillem. Il s'échange des claques là, tu vois. Il y a pas vraiment de grosses mises au sol. Il y a des petits pokes. Du coup, quand même, c'est mal, les HMP. On s'approche quand même de la fin. Le TJX qui va whiff. Bulle de miel. Ok, encore une bulle de miel, c'est bloqué. Mais là. Ouais, voilà, Fighter qui a vraiment mis Panty dans le coin et qui va l'achever! Magnifique! Fighter. Il est trop fort. Je pense qu'ils ont. Trop fort. Je crois qu'ils ont. Ah non, ils n'ont pas encore fini tout de suite, mais. Peut-être que si, je sais pas. Là, j'attends qu'ils finissent sur Garou juste pour prendre le résultat et lancer un autre match. Ouais! Je suis désolé! Je suis pas Karl Lachaleur, du coup, je suis. Mais bon, c'est pas grave, je suis juste Jou. Yusha! Tu peux venir Yusha qui... Ouais, Yusha qui est venu. Oh là là. Bon, bah voilà. Bonsoir, SK. Enfin, bonsoir. Bonsoir, du coup, c'est pas la première fois que tu prends le micro, là. Non, non, je squatte. De toute façon, je sais que je vais faire 0-2, donc... On est ensemble. La team 02 au commentaire, voilà. Bah, c'est surtout que je connais mon premier adversaire de loser maintenant. Ah oui, tu comptes pas dessus. Ouais. Bon allez, on commence donc Yusha contre Kemono. Et donc Yusha qui est donc avec son poisson très solide le perso. Oh, on poisonne directement. Ouais, la pression, très dur à gérer la pression de poisson. Ouais. Mais bon, QB, on peut dire la même chose et en plus il y a des mix-ups. Ouais. Et tranquille. Faut faire très attention au poisson avec la bulle en fait. Je connais pas extrêmement bien le jeu encore, mais j'ai vu qu'il pouvait genre te mettre dans une bulle et c'était hyper. Ouais, en fait il y a un setup imbloquable si tu te mets dans le coin avec cette bulle là. Là il était pas assez prêt pour faire le vrai setup, mais ça reste très dur à deal. Enfin, même sur la bulle, voilà, il a déjà acheté une première fois une première bulle. Voilà, et la bulle, et avec le full combo, ça fait très très mal. Effectivement, c'est clairement. Ok, la tarpente est activée, on flotte. Ouais, ça permet d'éviter le setup, c'est malin. Et donc là, on va voir s'il peut trouver les ouvertures, mais très bon trade à l'avantage. Et là, c'est le setup. Et voilà, le setup est cruel. Peut-être autoritaire, encore un petit peu de vie. Ouais, et voilà, c'est achevé. C'est l'imbloquable, il était encore en l'air. Donc, il ne pouvait pas bloquer le BLP. Très très solide du côté de Yusha. Hein. Ouais, ben, t'arrives de drop, hein, mais c'est pas grave, t'as bien récupéré, ça se tente. Hein. Là, c'est quand même, à ce que je sache, un peu l'un des joueurs les plus solides de la scène, il vient de... Ouais, Yusha, il est très fort. Il est de Lyon, non? Il vient d'un peu d'autre part. Je sais pas, t'es de Lyon? Ah, il est de Lyon, ouais. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on désolé, on a les... Ah, bon, bah, je vais reprendre le commentaire tout seul. Voilà, donc... Voilà, on va voir. Voilà, les Nicki Minaj qui Yo, yo. Bon. Voilà. Et Nuno, 1-0. Yusha qui met la pression à ce que je très grosse pression du côté Yusha, très fort. Avantage. Bulle, là, attention, ça va être dur. Bulle, il prend la bulle. Oh, t'es en sac. Pas de combo, malheureusement, dessus. Pas de combo. Beaucoup plus mal. Bien sûr, il aurait pu mettre la max. Et ça n'a pas fait de dégâts avec cette bulle. C'est dommage. Peut-être que ça va être la remontada grâce à ça, on sait jamais. Ça va être dur quand même. Grosse remontada à la vie. Le pressing, c'est dur. Ah, il a voulu chop, je pense, avec ce coup. Mais par contre, ça n'a pas touché. Punition ? Non, pas punition. Non, dommage. Après, c'est dur de punir, je pense, avec le poisson. Possible, je connais mal les punitions de poisson. Au fond, c'était compliqué, je pense. Allez, donc. Sauvegarde, attention. En tout cas, bonne bloc sur la. Sauve-bloc. Sur la bouche. Tranquille. Ouais. Allez. Et Yusha qui tue. Ouais. Très solide. Et après, voilà. Alors, ouais, le titre, c'est la Slay Lay. Ouais, c'est fait pour Toby. Tu peux mettre le squatter de Marseille, hein. Ça me va. Mais voilà. Donc là, je sais pas quel match ça va être. Donc, je sais pas quel est le premier match qui se lance. On suit du cul. Ça se file, ça se file.
Mais les gars, genre vous avez vu, entre la température et les matchs, trop dur. Bah salut Karlki. Salut. Ça va? Ça va tranquille. Tranquille. Ah ben, j'ai perdu. C'est bon, j'ai fait 0-2. Ah ouais, bah je vais bientôt te rejoindre, j'ai vu les... Non, bah la dose. Bah t'inquiète pas que moi, quand je sais qu'au premier tour de loser, c'est contre Banshee Bot... Ah mais tu l'as... Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai accepté mon destin, c'est bon. Mais, ok, ouais, bah ouais, moi j'ai le premier tour contre lui. C'est un grand gaillard, mais... Salut, voilà, Banshee Bot. Attention, le match a déjà commencé. Oh, et on ne l'avait pas. Yo contre Nicki Minaj. Ouais, des blagues. Ah, la régie qui s'amuse plus à écrire des prénoms rigolos dans le truc. Attends, il y a de l'argent en jeu. Et pour l'instant, qui c'est qui gagne? Voilà. L'ami W, le français, le super beau gosse, le joueur de poisson, qui vient diver directement dans la figure de son adversaire. Je connais mal ce joueur, mais en tout cas... Pourtant, il connaît bien le jeu, voilà, il la met dans la bille. Oh, c'est pas, c'est pas okay, ça. Ah non, mais attends, non, j'ai fait l'inverse dans les billes parce que je sais pas pourquoi. Du coup, non, c'est l'éliminage, je suis à l'avance. Non, c'est trop bête, voilà, c'est l'éliminage, je suis à l'avance. En tout cas, mais. Ah oui, non, j'ai toujours tenté dans le sens. Vu qu'il était dans l'autre sens, j'ai confondu les barres de vie vu qu'on est un peu en mid-match. Voilà. Mais attention, ça peut jouer, c'est rien du tout parce que les deux personnages ont une puissance d'attaque assez impressionnante. Ouais. Et il a essayé de sauter depuis le HK, l'éliminage qui se tape les cuisses, qui est heureux. Tranquille. Nicki Minaj qui a tellement de matchs à faire. Premier round pour Nicki Minaj qui est très heureux de jouer au jeu vidéo. Regardez-le, son sourire. Il est tellement heureux qu'il est demandé de partout. Donc là, bon, mon mise au sol de W qui va... W qui fait des petites balayettes. Oh, la fumée est directement punie. Le Felicia qui a un saut qui va super méga haut. Tu peux punir. Très bonne punition. Et Baladidi sur le côté qui nous a dit il faut jamais utiliser les illustrations. La fumée est genre de zigougoui parce que ça marche rarement contre la Felicia. Ouais, Felicia ça a l'air d'être ennuyant à gérer avec. Et oui, voilà, et là il y a double tout. Ça va, le EX fonctionne. Le EX fonctionne effectivement. Nicki Minaj qui a su lire l'arrive, qui est passé de l'autre côté. Attention, bam. La bonne offense. Première chauve-souris de prise. Il arrive à s'extirper du coin. Non, pas vraiment. Oh, ça, c'était sûrement une bulle. Ouais, ça, c'est une grosse punition. Maintenant, Nicki Minaj qui joue très très bien. Oh là là, il passe au-dessus tout. Bah oui, sauf des EX, bien sûr. Le combo, non. C'est une safe même en 8. Oh là 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 là, c'est vraiment pas de chance. Triste. Et donc maintenant encore un gros avantage à la vie, mais la première de chauve-souris est partie du côté de l'éclinage. Et deux bébés là, attention, et seulement deux bébés dans le coin, ça peut faire mal, ça peut tuer. Le combo bien confirmé, attention dans le coin, la tentative de base. Bien ça bien entière avec l'EX. Oh, il était du mauvais côté, du coup il y a le trait, du coup c'est très dangereux pour W. Et voilà, voilà l'éclinage. Il va sécuriser le match. Ah oui, c'est exactement nous. Bien joué. Tu as su faire non. Ah non, il a changé. Il est fort. Aussi. Et du coup, les losers. Je fais partie des losers. Oh là là. Bah, c'est des losers, ça. Je vais prendre une leçon. Hein. On t'a dit de venir regarder le ranking vampire. Tu as bien fait. Tu es au bon endroit. Si toi, prends de la bonne crème. J'adore la crème. Et Banshee Bot qui est parti. Banshee Bot vient de partir, si jamais. Hein. Il vient de partir fumer. Pardon, si sa mère regarde, non, Banshee Bot et elle est aux toilettes. Voilà, c'est mieux. Et du coup, on attend. Oui, attends, Banshee Bot. Il est. Toby, il est parti chercher Adrien qui est aux toilettes. Oh là là, il fait tellement chaud ici dans cette salle remplie de personnes totalement hot qui me donnent envie de transpirer. Je transpire déjà finalement. Regardez mon t-shirt Snoopy. Regardez, je suis même ici là. Là. Incroyable, j'espère que vous passez en tout cas un bon moment, un bon dimanche en famille, avec vos amis, avec des gens qui vous tiennent à cœur. Parce que moi, c'est le cas, en effet, je suis... je viens de voir mon nouveau titre. Je suis avec mes amis, mais qu'est-ce que je transpire, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'adore cette sensation d'eau qui me coule à travers le corps. En tout cas, je suis désolé pour le prochain commentateur qui va s'asseoir sur ma chaise. Je suis vraiment désolé. Mais en vrai, pas tant que ça, parce que je suis bien assis. Et vu que je vais sûrement me faire 0-2 dans ce tournoi, la chaise sera en fait à moi. Et oui, si vous voulez vous aussi dans le chat avoir une chaise à vous, n'hésitez pas, transpirez un maximum du postérieur, du popotin, de la...
de la baloche. Attention, c'est peut-être Toby qui revient avec aucune information. Le match n'est toujours pas sur, en train d'arriver, donc je suis un peu en train de vous entertainer, comme disent les Américains, de la manière la plus... J'essaye de faire mon mieux en fait. Finalement, c'est très dur. Déjà, les personnes ici me rendent chaud. Je souffre. Je joue contre W. Et je vais jouer super. Attention, la chaise est pleine d'eau. Je ne dirai pas pourquoi. Je reviens. On s'est trompé. Attention, attention. Aïe, aïe, aïe. Mais qui s'est assis à côté de moi? C'est Fighter. Comment bonjour. Ça va? Ça va. Pas trop chaud aujourd'hui, mais j'ai un micro. Oui, mais c'était rigolo. Une réponse pour le public. Une réponse, les amis. Du coup, je sais pas, c'est qui va jouer? Temps mort. Le premier qui arrivera sera donc le joueur spécialiste TK. Et oui, le meublement, le meublage est face à moi, à côté de moi, Fighter. Banshee Bot, il est aux toilettes. Il est aux toilettes. Au cas où sa maman regarde le stream, il est en train d'uriner. Ah oui. Pause pipi clope. De quoi? Pause pipi clope. Non, pas pause clope, urinage. J'adore commenter, j'espère que... Mais là, pour l'instant, je fais que de l'ameublement parce que les deux autres, ils sont partis faire je sais pas quoi. Du coup, je suis obligé d'engranger les mots pour pas que le chat s'endorme. Après, en vrai, souvent, le chat, je pense qu'il en a rien à fiche, globalement. Il mute, tu sais, il met ouais, ça sur mute. Il met... Moi, des fois. Tu m'as mis un nouveau titre. Ah non, c'est lui qui commente. C'est quoi mon... Oui, j'ai vu mon nouveau titre, je l'ai commenté tout à l'heure. Merci. Ah, il y en a un autre. Ah, il y a Just Play. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai commenté aussi. Ah, c'est pas grave, oui, bah, je dis tellement de trucs à la seconde, là, c'est compliqué. Et du coup, vous ne pouvez pas voir les autres matchs. Est-ce qu'on peut nous montrer un peu la salle ou c'est pas possible aujourd'hui? Non, on n'a plus la caméra salle. C'est dommage, vous avez vu tout ce bon monde. Oui, c'est vrai. Je pourrais la reposer. Oh, regardez. Oh là là. Regardez oh là tout là, ce bon monde. Oh là là. Oh là 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 là. Fou, panning. Oh là là, on fait coucou. Hop. Et le match va se lancer. Ah, c'est EasyMord contre qui Et alors c'est EasyMord contre qui du coup? Contre Axel. Eh, hey, moi aussi, je suis en loser tournant. Bah ouais, je vais encore 0-2, ça va être génial. Non. Et le match entre EasyMorn et Axel. Attention, attention, le Dimitri contre la chatoune, la patoune. Ouh, petit dragon, il y a des trades dans les airs. Je dis rien. Mon ami Fighter n'a pas forcément envie de papoter, il est là pour gagner. Bah oui. Ouais. Pas le temps de papoter. Pas le temps de papoter. Ouh, la dive unsafe en hit. C'est dommage de finir ça avec petit pan. Oh, il s'est fait la chauve-souris. Il a envie de rouler. Oh, il s'est fait un cancel. Non. Sûrement pile poil sur la désactivation. Le pauvre Axel. La dernière force qui met un deuxième hit systématiquement, ça peut snapser. Attention. Et là, il se repoint un peu trop tôt. Oui, il faut avoir un combo. Là, il y a des dragons qui sont un peu mis dans le possible. Oh, c'est dommage. Tout le tout. Et c'est le MK, enfin, je pense, qui a touché les dash. Ouah, et le démon directement, comme ça, nature, j'ai l'impression. C'est EasyMorn, il fait peur à ses adversaires. Moi-même, souvent, quand je joue contre lui, ça fait peur. Du coup, forcément, t'as envie de garder pour pas se prendre ce dragon dans la figure. Ce qui fait que, forcément, après, le démon, il est assez facile à entrer. Attention, LK, LK. Wouh, oh, dommage, ça, c'était pas combo. Peut-être un peu loin. Il s'est envolé. Mission direct. Bien puni, oui, cross sur cross. En fait, c'est devant, mais ça passe derrière. Très bien. Ça peut arriver à la Dark Force. Il a fait la Dark Force. Il avait peut-être une idée en tête. Oui, jolie désactivation. C'est encore fini pour Axel. Voilà, qui passe sous la bulle. Punition maintenant. Non, il y a dragon. Du coup, il a pas puni assez vite. Alors que ça, normalement, c'est punissable. Le démon par-dessus. La boule, c'est bien gardé. Comme dash spécial. Ça aurait pu peut-être gratter. Ah oh non, dommage, faut pas prendre cette dive. Je pense qu'il a appuyé sur un bouton pour essayer d'en tirer. Ouais, je pense que oui, mais là, faut autant tu gardes ça. Je sais pas du tout au niveau du trade entre une dive comme ça et un BMP. Si BMP peut. Ça doit être possible d'en tirer net, mais il va falloir vraiment taper à la bonne hauteur. Quoi. Après, ce que je trouve dommage, c'est que vu qu'il a une safe en 8, et en autant. C'est plus rentable de garder et d'attendre. D'ailleurs, moi, je frame au sol où tu peux mettre une super. Oui, il y a moyen. Bon, après il fait dragon direct, waouh ce combo, funky combo.
faut punir pendant la fenêtre où il est au sol, pas la fenêtre où il peut taper. Et attention, Charmant qui est en train de nous faire de la pastaga. Et oui, il est en train de mettre des démons dans la figure de son adversaire. Attention, petit OTG, peut-être, pour faire mal à son adversaire. On voit Baldé Didi qui est très heureux dans l'arrière-plan de ce qu'il avait vu et qui montre à tous ses amis. Et pour l'instant, Kizimon qui... Ouh, Kizimon qui s'est pris des petites patounes là. Ça fait mal et... Le MK qui va venir ôter cette chauve-souris, mais Dimitri... Le Dimitri n'a pas encore fait son dernier dragon, il n'a pas encore fait le dernier démon de sa vie. Il en fera jusqu'à sa mort. La punition qui était bien trouvée... Oh, oh, il est passé au-dessus, c'est dommage. De toute façon, c'était démon ou dragon, hein. C'était démon dragon. Façon relevé. C'est un des deux, la dash. Ouh, ça c'était fini, c'est pas si simple à finir ça, il est passé au-dessus. Oh, il a tenté démon. Non, dragon. Il aurait dû dragon. Oui, il aurait dû dragon, pourquoi il a démon? Ou alors peut-être c'était l'un ou l'autre. C'était l'autre, malheureusement, il a fait le mauvais choix. Axel qui peut encore l'emporter, le mythe, joli, le dragon. Double touche, quel est le setup derrière? Il y a plein de barres côté, Dimitri, ça peut faire des dragons, des démons, plein de belles choses. Attention, ce OTG Payex, il voulait pas le tuer, il avait pas envie. Oh, ça va punir. Attention, pas mise au sol. Dark Force. Oui. Pour essayer de punir quelque chose. Attention, dragon, ça peut se finir maintenant. Il n'y a pas eu de punition. Il a attendu trop longtemps. Attention, sur quelque chose là, ça peut passer la punition directement. Et c'est Easymond qui emporte ce match. Ça se serre la main. Ce tournoi, il est compliqué. On est on est beaucoup. J'ai vu les noms, forcément. Ce tournoi, il est assez stack, vu qu'on est 13 et qu'on sait tous à peu jouer. Et Aquaman, le prochain Aquaman, match. Le prochain match entre la Banshee-Bot et Escagas. Maître de l'eau. Le maître du panier contre le maître. L'élève du panier. L'école du panier. Petit pot de beurre. L'école du panier doré. Attention, en action. Entre la Bouletta vers The Green Bouletta, Banshee-Bot qui n'a pas demandé à avoir fait deux, alors c'est qu'il est peut-être plutôt confiant. Oh, regardez le combo. T'es été trouvé, attention, pas d'OTG après ça. Je pense qu'il était trop loin. Il va mettre un petit peu de panier. Voilà, Banshee-Bot qui va. Attention, oh là là là, les dégâts. Très très bien joué, je sais plus combien c'est le frame, c'est quoi, c'est 3 frames pour faire le dash. Ah, c'est un peu tiré, parce qu'en plus c'est un dash où tu dois bien lâcher la direction. Oui, faut pas faire une commande dash, sinon c'est de la merde. C'est très très compliqué, mais il y arrive parfaitement. Attention, l'MP, le trade sur la boule, c'est le tour dash. Bouletta qui connaît qui a un bon match-up contre Bouletta, apparemment la chop en l'air. Ah, le missile en fait mal. Il est super haut, il a une box qui ne rend pas si bas que ça. Donc il y a pas mal de trucs qui dug dessus. Ouais, Félicia avec son coup de la balle, elle est passée sous le missile aussi. Et le missile X directement qui va terminer cette vie. Escagas qui a du mal, puisqu'en effet, il affronte peut-être la meilleure Bouletta qu'il existe en Europe en ce moment même, en 2023. Peut-être pas 2024, qui sait, ça sera peut-être Escagas, mais pour l'instant, c'est le joueur Banshee-Bot qui regarde d'un air désabusé, mais heureux, qui m'embrasse d'aussi loin. Il vous a même embrassé à la caméra, vous pouvez le remarquer. Et le deuxième match, des losers se lancent. Attention, c'est parti. Pourquoi il est là, Banshee-Bot? T'as envie de nous dire quelque chose à propos de ça, Fighter? Bah, fallait pas perdre. Voilà. Fallait gagner, en tout cas. Mais c'est pas grave, parce que Banshee-Bot... Il avait envie de taper le miroir Bouletta, je pense, pour ça. Il avait envie de tester, il avait envie de remonter les joueurs, il voulait du challenge aujourd'hui. De toute façon, j'ai perdu contre lui, alors je vais pas la ramener très longtemps. Oh, mais c'est pas dit qu'il me retourne pas en finale. Oui, je peux revenir et te remonter en finale. Bien joué en tout cas, les bonnes phases. Attention, le TGX, voilà, qui va prendre un point de vie. Uzi, pomme, ça recommence. Le finishing, pomme. Le finishing, la finishing touch. Attention, c'est au-dessus. Waouh, il a utilisé le missile pour faire bégayer Banshee-Bot. Banshee-Bot utilise le missile à son tour. Mais il l'a pas fait exprès, je crois. Il a levé les yeux. Et Banshee-Bot, bien confirmé, très joli. Au cas où il y avait une roll au moins, il avait préparé la mine. Il avait préparé aussi le LK en termes de saut. Si ça retombait, le pressing, allez, une ouverture trouvée directement. Il a pas envie de confirmer sur ça. Oh, le panier, il y a des trucs bizarres qui se passent. Et là, ça va sûrement être la fin. Punition. Oh, ben, qu'est-ce que tu voulais chausser au panier? Tu voulais chausser, ouais. Aïe, aïe, aïe. Belle victoire de la part de Banshee-Bot, qui est heureux, grand et fort. C'est dur pour tout le monde, sauf pour Fighter. De toute façon, ce n'est pas une course, c'est Vampire Savior. Et Toby... Oui.
N'hésitez pas à taper la nouvelle commande UU dans le chat. UU. UU. Ça met quoi quand tu mets UU? UU, ça fait UU. Est-ce que ça fait la tête de François là? Attention, est-ce que je peux être François pendant une seconde s'il vous plaît? C'est moi, EasyMord. Je suis EasyMord. Ah, 2X. J'adore 2X, je joue Clo. Griff, c'est légit. C'est trop bien, Griff. Non, mais Griff, c'est pas top tier, c'est juste un personnage un peu mid, quoi. Vous savez, un bon je suis mid. François. Un bon mid. Et du coup, le match qui va se lancer entre JustPlay et Kenono, qui c'est? C'est un match de loser ou de winner? J'ai pas trop suivi. Loser round 2. C'est le loser under, a priori 2, mais je sais que Kenono a gagné. Nous faisons confiance à la régie. Nous faisons confiance à la régie qui doit sûrement savoir. Alors Vigor, j'espère que tu as vu le message dans le chat et c'est parti en tout cas. Ça trade ici sur des LP, sur des on sait pas trop quoi, des phases. Oui, cette QB de Kenono, elle fait peur, elle fait mal. Attention, il revient directement avec une dive sur le fait combo après. Il va tuer, joli ça, il va malheureusement se prendre deux dragons directement dans sa face. L'abeille qui sautille, qui va passer en haut. Alors ça c'est punissable la Dark Force, mais c'est assez compliqué à punir. Oui. Ok. Et du coup, le match qui s'enchaîne. C'est compliqué pour JustPlay qui va prendre ce miel. Oui, il a vu, du coup, c'est moi, il a prendre. Ouh, les bonnes dives. Kenono qui a un bon air dash, qui sait utiliser les instants air dash. C'est dommage, je sais pas confirmer après. Mais il va peut-être aussi un coup de poke. J'ai l'impression que la manipulation est un peu étonnante puisque du miel est sorti du mauvais côté. Et pour l'instant, 1-0 pour Kenono, le joueur qui joue le miel avec son joli t-shirt jaune, également comme le miel. C'est un très beau t-shirt, il représente un logo que vous connaissez sûrement puisque c'est le logo de l'association La Dose, mais vous devez le savoir si vous êtes en train de suivre le stream maintenant. En tout cas, le second match va se lancer incessamment sous peu. Incessamment. Oh, c'est tellement incessamment sous peu. Et à côté de nous, nous avons la salle d'e-sport de Street 6 où vous pouvez aller voir quand vous voulez. Très chaud. Il fait très très chaud, alors je vous conseille de regarder le stream plutôt que d'aller voir parce que là-bas ça se bat pour l'argent et pour l'instant Kenono qui a une avance considérable, voilà, qui vient gratter le sol, qui vient gratter l'herbe sous cette pauvre Lilith qui a du mal. Pourquoi est-ce que tu fais des... essaye de garder, voilà, un dragon qui est bien lancé. Ça va peut-être garder les armes guider de Kirby qui prend des wagons points. Wagon point, le saut, HP directement, la chope. Enchaîné, peut-être la bulle pour faire un setup. Oh, il a été chopé dans les airs. Un petit RTR pour aller faire un peu. Oh, le LT pour Pierre, c'est ça marché. Oh, ça c'est dommage, je sais pas confirmer, mais ça c'est compliqué, c'est remis dans le coin, mais il en a cure des formats. Il revient directement dans sa figure. Le joli Kenono qui aurait pu prendre la couleur jaune pour essayer de se fondre. On aura plus 41 sauts. Oh, le démon! Double touche. Estalos Demonos. Mais c'est pas passé, effectivement. Demon. Le démon aussi, qui cette fois passe dans les airs, et en plus ça fait vachement mal, puisque c'est Jilith, il fait un peu moins mal dans les airs. C'est un peu plus dur à faire que le CR. Ça passe, attention! Avec son neutral. Là, Kenono qui a peut-être pris un peu peur après. C'est pris ça dans la figure, le trade qui est l'avantage de. Ouah, je suis équipé. Des bons pots, ça passe derrière lui la Dark Force. Il a essayé de tenter, mais il s'est fait punir direct. Parce qu'il va avoir grosse punition. Alors, c'était pas une très très grosse punition, mais techniquement ça marche. Le combo loupé. Un coup de la mort, un coup dragon, de la mort. Dragon, peut-être pour se sauver. Je peut-être un démon. Part, mais il va encore un petit peu temporisé. Ouh, les phases. Ah, on n'est pas un démon de. Ouais, on est un combo démon quasiment. Il l'a fait en l'air, il était puni. Il y a des guerres d'âge. Très très joli, cerveau qui fond. Kenono qui gagne ce match avec le sourire, avec le smile, avec une super gourde. Et le prochain match qui va se lancer. Et c'est moi. Allez, venez à moi le 0-2, j'arrive. Merci beaucoup. J'ai fait tomber le micro. Bah on attend Tristan, on attend W. Putain, moi je vais complètement ce match. Je vais être là pour dire. Insulte pas ce que je vais t'insulter mais doucement dans le micro, juste en. T'es un sac, Nevis, t'es un sac. T'es... Lui il est plus court. Ils sont en mêlée, ouais. Elle ça. Est plus petite. C'est ça. Ils sont en mêlée en fait, surtout ça. Ils sont très longs, ouais. Ouais. Tu compenses des trucs, hein. On le sait. Alors le prochain match, un match compliqué pour Karki, est-ce qu'il va se faire ce... Un match d'anthologie, parce que ouais. La dernière fois, il y a eu des surprises. Ah bon?
à Vampire ou à... C'était pas W... Ah donc W n'est pas disponible, ok. Donc on part, ouais. On part sur du winner. Putain, moi j'étais pas prêt à ça. C'est qui qui est en winner encore? Et en face de toi c'est Yusha, et moi je suis en face de qui alors? Qui est en winner contre moi? Qui a gagné? C'est Toby? Ok. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Capable de battre Banshee et de perdre contre tout le monde. Un peu comme... Vas-y. Yo, c'est Justplay, je suis de retour au micro juste avant que ça commence. Du coup, Yusha et Nicki Minaj, alors Ah, des vieux frères, hein, ils se connaissent bien. Ok, je vois, hop. Ils ont commencé à peu près ensemble le jeu, donc c'est vrai que... Il y a combien de temps environ? 2017, je crois. Ah ouais, ça fait un bout de temps. Ouais, ils sont forts, donc ça explique des choses. Ils ont commencé un petit peu avant le VSB. Mm-hmm. Bon, bien vu ça, la bulle, on se la prend pas par contre. Non, elle est mal dosée. Attention. Hop. Ne s'inscrit pas à l'heure, c'est vrai. Il est bon de le rappeler. Les gens qui s'inscrivent à 22h du soir alors que les inscriptions étaient fermées à 17h. C'est bien de le rappeler que c'est pas une bonne chose. La prochaine fois, elle risque de rater le tournoi. Ouais, bon, la première question parce qu'on le connaît bien et c'est genre, il fait pas ça tout le temps, hein, on est d'accord. Non. Mais voilà. Oui, oh! Ah oui, c'est dommage, ça met au sol. Ça aurait été stylé que ça retombe dedans. Attention, ok. J'aime bien le. Ok, d'accord. L'OTG, ça ne tue pas encore tout de suite. Mais bon, on est pas loin là. Surtout si on continue de mettre la pression comme ça. Mais ok, le sonar bien senti. Et là, il y a quand même pas mal de vie qui est récupéré, c'est un ça. De vie blanche. C'est ça. Donc il risque de conserver sa première chauve-souris pendant un bout de temps, hein, le Yusha. Ok, never mind, voilà, on arrive. Il suffira d'un saut HP. Encore une fois, OTG, on maximise les dégâts. Hein. Attention. Il y a beaucoup de barres côté Nicki Minaj, donc autant les rentabiliser. Hein. Oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Attention, voilà, pression. Ah. Ok, on arrive. Oh, joli. Bon, directement le... Je bloque en retour. Bien senti. Oh, on est dedans. On a sauté dans et la le combo qui est raté. Bah si. Pourquoi? Mais non, mais il avait commencé à le réussir, ça pouvait pas continuer comme ça. Vas-y. Va-t-il le regretter, toi? Ah, peut-être, hein, en le vrai. Le public que... à 100% pour le chat après ce ratage complet de la part de Yusha. Attention, la Dark Force. Le déluge. Ne pas s'inscrire à l'heure pour rater ses combos en tournoi. Oh là là. Le TG raté. Ah, c'est serré. Sortie là du coin, c'est serré. Le premier qui va ouvrir, à mon avis. Ah. Ok, ça va, il l'a pas regretté. Allez, qui vient essayer de se reprendre. Ah oui. que d'amitié et de camaraderie. Aïa, en effet. Allez, on est reparti sur la face du gros building. En fait, ça m'a pris un beau temps pour me rendre compte qu'en fait ce stage oui, il est à l'horizontale. Au début, on comprend pas ce que c'est. On a l'impression que c'est l'espace au fond. En fait, non, ouais. C'est des feux de voiture. Vu du ciel. En fait, tout le monde dans cet univers est Spider-Man. Ouais, c'est vrai. Voilà. Sur OTG. Blanche là et ouais, on et la laisse pas la mèche. Chope déchopé et immédiatement puni parce qu'il a pas anticipé la déchope. Attention, j'ai eu le push block. Par défaut, ce gros point. Et elle vient que pour un. Ça touche pas encore tout de suite. Voilà le tech hit. On trop, arrive à trop de trous dans la garde, ça push block tout de suite. Ça cherche pas à comprendre. Et récupérer, voilà, toute la vie blanche là, c'est vraiment son gentil a ouais. Besoin. Voilà, il arrive à reprendre beaucoup d'avantages là. La grosse onde. La pressure, oh ouais. Tout de suite. Et qu'elle a chopé. Oh, chopé qui met bien au coin, malheureusement, derrière. Loki, il était pas là. Down. Ça continue à presser, ça pousse le poisson au coin. Mais Yusha est toujours pas mauvais sur les sauts Just Guard pour pouvoir whiff punish en chicken block, comme on dit. Éviter comme ça toutes sortes de mix-up. La sauvegarde dans ce jeu, c'est vraiment très fort. Décalage shop pour battre tout de suite la Dark Force.
Et là, il a laissé la Dark Force nous activer alors qu'il aurait pu, je pense qu'il aurait pu faire un petit dash gros pied pour mettre au sol en punition. Oui, ça évite de mettre trop de coups dans la garde parce que, en fait, ils se connaissent bien, ça va pushback tout de suite si jamais ça commence à faire des chaînes dans la garde bêtement. Donc c'est obligé de faire des petits décalages, des petites feintes. Ouais, et là on a... Oh non. C'est pas, comme ça qu'il y a mis des sonars bien sentis dans le match d'avant et qu'il a gagné le chat. Il pourrait l'achever là tout de suite à une ouverture, bien la ça. Dark Force, le petit chat qui est sur le terrain. Ah oui, trop loin, et la punition. Voilà. C'est vraiment une très mauvaise super là, les vagues. C'est bien pour gratter uniquement ou pour faire des trucs ambigus sur les téléportations, mais sinon, quoi. Vraiment un coup de merde. Et la preuve en image, un saut gros point. Un saut gros point, ça paye. Hein. Relax pas tout de suite, t'as encore une game si tu veux gagner. Il a saut gros point la borne en fait, c'est pour ça. Et parfois, je vois comment certaines personnes traitent les boutons des bornes, je me demande combien de fois vous devez les changer par année. Oh, t'as pas vu les joueurs de 2X quand ils déchoppent, hein. C'est bourrin, hein, les joueurs de 2X aussi, hein. Je me demande si c'est plus brutal pour les joysticks ou plus brutal pour les boutons, Vampire. Je me demande si c'est plus brutal pour les joysticks ou pour les boutons. Moi je pense que je suis plus brutal avec boutons, les joysticks. Hein. T'es sûr? Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, c'est pas ça de diader. Parce que moi je joue Lilith, du coup j'ai pas ce problème. Hein. Nice qui bourre les dragons, à mon avis, c'est plus dur pour les... Ça dépend des persos en fait. Oui. Joli press. Par contre pour le coup... Et la punition. Et le dash link réussi, mise au sol. Il manquait une bulle, mais... Oui, c'était propre ça, c'est dommage. C'était pas loin. Ouais, là on a plus très de barre. Là, la phase de saut arrière pour pouvoir empêcher le mec de sortir du coin était très très propre. Hein. Ouais. Ok, une autre chop. Voilà, des chops. Ah non, il passe pas dans le dos parce qu'il est pas P2. Bah non, tu restes devant. Donc pas de cross-up. Ah, il y a des différences selon si c'était P1 ou P2. Ah oui. Incroyable. Ah bah oui, hein, c'est ça les bons. Oh oui, le dashing. Deuxième dashing d'affilée réussi. Oui, mais bon, c'est déjà bien. Je valide ce qui est validable. Mais ce mec-là, il fait les trucs les plus durs et il rate les trucs les plus simples. C'est sûr que je te dis. On dirait moi. Ça commence à mal parler. Oh, il avait réussi le. Loki est raté, mais il avait réussi le setup. Allez, là, c'est balle de match de côté. La première chope, voilà. Pour... C'est un simple chat qui ouvre les festivités. Voilà. Joli tech hit. On évite bien les ex-boules. Limite, saut sur place, en fait, c'est vraiment trop fort. Ça aurait puni la boule, je pense. Mm. Et on fait gaffe, du coup, voilà la pression. Du chat qui n'abandonne pas. Nicki Minaj qui. Ça décale parce qu'en fait, c'est peur du push-block. C'est peut-être son s'il avait besoin, mais. Oh, ça se passe bien. Dark Force, petit chat. On passe bien derrière. Le tech hit. Ah, il a raté, dommage. Un peu trop tard, c'était pas vrai. Bulle, elle peut pas. Alors, oui, bien vu, le gros point. C'était un blocable qui était en l'air. Le déluge, ça va pas tuer. Faut faire bien attention par contre, c'est Nicki Minaj. On a très peu de vie. Le chat qui met la pression et qui tue. Et voilà, sweep. Le sonar de trop. Bien joué, bien joué. Malheureusement. Ah oui, mais ça fait partie du jeu. Hein. C'est qui contre Tristan? C'est qui contre W? C'est Karki? C'est qui contre W? C'est Nyx, ouais. Eh bien, le prochain match. Karki contre W. W. Ah, le patron. Le président du mix-up. Donc là, on repart sur un match de loser. Mm-hmm. Alors, petit commentateur jumpscare là. Du chat qui a oublié son téléphone. Alors. Là aussi, des gens qui se connaissent bien. Ouais. W avec sa Morrigan. W de poisson. Oh, ok, c'est poisson. Ah oui, mais non, c'est ça. Mais j'en aurais dû me douter, c'est lui qui s'est habillé en Morrigan dans le trailer du. C'est vrai. Du il y avait un indice. On le reconnaît pas d'ailleurs, mais c'était lui qui était habillé en poisson, Yusha. Bah oui, il est complètement cassé. Ouais. Ça explique les choses. Les Ghost Leader Price, tu les as aimés? Non, mais le trailer du VSB, il est. Au VSB, bah oui, il y aura moyen. Juste après sa victoire du mix-up. À la remise des trophées. Non, mais pour ceux qui ne regardent pas, si vous n'avez pas encore vu le trailer du VSB, allez-y, hein, c'est Oscar Warning. Hein. En tout cas. Voilà, dash paillette pour varier. Ouais, non, la bulle, ça n'arrête pas une boule. Oui, mise au sol.
Désolé, je vais pas dans. Je pense pas contre les canettes de la machine. Et Lucky Minage en OS pour les commentaires. Bonjour. Votre disque avait mal dans la vraie vie. J'ai mal. J'avais mal dans le jeu et dans la vraie vie. C'est vrai. Il faut pas qu'il perde hein, ce match. Hein. Attention. Hein. C'est un match de qualité. Oh, le instant boule. Qui a fait, oui. Oh, ça punit fort ça. Fait des dash link. Ça fait des dash link, ouais. Je valide ça. Le boule. C'est bon. Attention, push block. Boule X. Et ça ne rate pas les combos contrairement à Yusha. Le jour où Yusha rate plus ses combos, il est le meilleur joueur du monde. Hein. Ça envoie en push block, ça envoie dans la bulle. C'était très beau ça aussi. On aime bien ce genre de petites actions. Oh, c'était un dragon raté, ça. Oui, clairement un dragon raté. Il n'a pas pu. C'est serré, hein. Là, la moindre ouverture, ça va tuer. Hein. Ah ouais, c'est ça, en fait. La première erreur, en fait. La première erreur. Bien joué. Il a tenté un Oki, mais il n'a pas anticipé la bonne roll. Oui. Ouais, voilà. C'est bon, pressing. Ah, décalage MP pour empêcher le dragon. Le décalage push block. Quelque chose, en fait, le trou. Attention, avec le trou. Il a une barre. Hein. Ah, ah, dommage, ça n'a pas touché. Ça aurait whiff, ça aurait été encore pire. Ouais. Il aurait pu immédiatement choper. Ah oui, ça se retourne. Et time over pour W. Time over pour W. Il est trop heureux, W. W qui va pouvoir s'allumer un cigare là, tranquillement. Ah, à la fin, il va. Ah, il va. Allez, reprends-toi. Ah, le coéquipier de VSB là, tu dois gagner. Hein. La zénatitude pour Karoki, on y croit. Attention, la chope qui est direct. Oui. La dive qui mise au sol. Mise au sol. Il n'y a pas de barre, donc attention. Il pouvait pas bulle. Il pouvait pas bulle. Maintenant, il a de la barre. Hein, ça sort du coin et ça rate. Et voilà. Là, mauvaise roll. Ah, bon, après, il a, vu qu'il n'avait pas anticipé que ça passe, il n'était pas prêt pour la charge. C'est ça. Malheureusement, pas une confirme de bulle. Alors que la chope bulle, c'était très intéressant. Un bon poisson qui part à la pêche, normalement, il devrait pouvoir être prêt à setup sur chacune bulle. Ouais. C'est ça. Et le démon qui n'est pas sorti après le combo. Oui. Double saut arrière pour éviter le sonarex qui va quand même pas full screen, faut pas déconner. Oh. Dragon puni. Je sais même pas s'il y a un projectile full screen. Je crois que ça va faire mal, ça prend la balle. Voilà. Bien joué. Alors gros avantage pour Dodelou. Et voilà. Et décalage, super. C'est overkill. Le creux c'est démon. Beau. C'est beau. C'est pour débloquer, je suis d'accord. C'est des emotional damage. Il a débloqué les démons. Oui. Instant qui va pas se laisser faire. Non, clairement pas. Hein. Toujours à l'avance à la vie. Hein. Il a rattrapé le retard de vie. Maintenant, il s'agirait de pas se prendre une. Ouais, c'est ça. Va falloir. Oui, il est passé en dos. Ah. Il y avait une bonne garde. Une bonne garde. C'était ambigu. Oui, sur les premières frames actives, du coup. C'est pour lui dire j'ai pas le temps, mec. Voilà. Ah, et le démon raté. Le démon loupé. Ça va peut-être. Ça ne veut pas tuer. Ah, la vague pas puni. Ah. Il passe à travers les boules. Ah non. Mais ça veut peut-être. Ça rate pas les combos. Ça va tuer. Il y en a un qui rate pas les combos. C'est bien Tristan. C'est terminé. Et voilà. Rate pas les combos. 2-0. Hey, le jour où Yusha réussit ses combos, c'est le roi du monde. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Hein. Bien joué à Tristan. Et après, tu refais bulle. Ok. Tu mets dans le coin. Voilà. Ouais, il était propre. Ouais. Ah, c'est Fighter qui a tué. Ça, c'est beau ça. Oh là là. Oh là là. Ah, je vais devoir te tuer. Ça tourne. Un match de qualité. Du coup, Banshee-Bot contre Easymorn. Banshee-Bot P2 comme toujours. On se demande pourquoi. Bah, il n'était pas P2 contre Skagas. Ah ouais? C'est vrai, c'est un manque de respect. T'as gagné un Shifumi contre Banshee-Bot pour être P1, P2 ou. Non. Il a été gentil. Ah, il a été gentil. Il prend toujours P2. Hein. Oh là! Alors Banshee-Mon, il est pas content de ce qu'il a entendu, il veut détruire la concurrence là, il va tous les tuer. Aïe aïe aïe. Oh là là. Oh, la décale. Non. Et la faute de qui le seeding? Ouais, c'était pas bien, W il passe un match. Il y en a un qui s'est inscrit à 22h hein. Il a foutu en l'air le seeding, hein. C'est jusqu'au bout. Il y en a un qui s'est inscrit à 22h, il a foutu en l'air le seeding, hein, puis c'est tout. Il fouille speak.
Ah oui, il faut bien préciser. Hein. Exposez-le. Faut l'exposer. Oh. La grande peur de Manchibot, là, Manchibot. Ah, il tremble. Franchement, il tremble. Dragon. Dragon. De toute façon, il peut rien faire d'autre. Non, dragon. Dragon, hein. Dive. Dragon, dragon. Mon dragon. Le problème étant qu'il y a une boule qui tue. Chop. Attention. Boule. Ah, la boule bien punie. Le double saut hein, de Boletta très fort hein, qui peut bait les entières. Et bien joué, push block au milieu là, bien timé. Bien joué. Oh, ah, ça chope la dive. Ouais, c'est trop lent la dive. La dive c'est très lent. Hein. Starter. Oui, dragon. Voilà. Ce dash spécial de barre quand même. Ouais, dash spécial de barre. Et ça touche hein. Ah, si ça gagne à la fin, c'était rentable. Ouais, il l'a pris. C'est le méchant du trailer. Je sais pas. Non, alors non, le héros du trailer c'est Carl Key. Hein. Non, c'est le méchant, c'est sauf le méchant. Si c'était l'équipe des méchants en face et qu'il a battu la ouais. Mais pour moi, Bantibot c'est le méchant de l'histoire. Hein. Non. Oh non, c'est clairement qui pas est gentil. Hein. Qui est méchant, dans l'histoire, c'est clairement. Qui est gentil. Squash qui est gentil. Le Félicia, elle est juste là pour l'argent. Ah là là. Elle est juste pas là pour l'argent. Ça tape trop tôt, résultat, ça se retourne pas. Oui, pour la... oui, mais c'est, la... c'est les montres du genre. Anti-cross-up, mais double touche. Boulita, elle est pas gentille en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Oh là là, c'est anti-air en petit point. Oh, oui. Oh, c'est des joueurs de Dexit, ça se sent. Cette petite baffe. Et 2-0 pour Banshee-Bot. On est surpris, hein. On est surpris. Le choc. Et ensuite, ça joue à 3-3, ce qui paraît. Le même match. Vous pouvez le voir nulle part. Est-ce que ce serait pas moi contre Toby alors après? Si. On a déjà fait un match de winner. Si, toi, Toby. C'est ça, non? Ouais. Tu veux commenter? Ah non, il y a W. Après, il y a quoi Bon, bah, voilà, je reprends. Alors, Kenono contre W. Un poisson, il faut tuer toutes ces racailles. C'est pas Sky. Le poisson original, il perd. Le fameux poisson original. L'autre, il m'a tué. Il est fou. Voilà. Il va aller plus loin que moi alors que je l'ai tué, c'est comme une fois, comme à chaque fois. C'est la fraude, hein. La fraude qui à chaque fois perd pour mieux gagner. Ah bah il choisit les bons côtés du bracket. Il sait qu'on perd pour. En plus, je suis quasiment sûr qu'il manipule le chimie mais... pour l'avantage. Non mais moi ça me dégoûte là, genre il y a un Banshee-Bot dans le bon côté de loser bracket. T'inquiète pas, j'ai mangé Banshee-Bot au premier tour de loser. Ouais, voilà. Ce qui était pas normal normalement. Ce n'est pas normal, je n'approuve pas Banshee-Bot. Ce n'est pas grave. Oh la bend, la bend dive. En tout cas, pour l'instant, avantage au poisson. Ouais. Mais le pressing qui fait mal. Attention à la bulle. La QB qui fait du saut défense. Light medium. Il reste solide pour l'instant. Bonne défense avant tout. Ouais. Il lui manque un peu les confirmes de combo qui ferait encore plus mal et qui mettrait à terre. Surtout voilà la mise au sol avec l'eau qu'ils aimaient sur QB, c'est important. Par contre, Des instants en verre qui sont bien gardés de la part de W. Solide sur le dash dash arrière. On fait là la fumée. Ah, le combo n'est pas. Voilà, dive, bien plus. Regardez. Attention. Okay. C'est dur à punir ça. C'est solide. La bulle de miel. La bulle de miel, attention. Deuxième bulle de miel. Ah, ça a pris la vague, attention. Là, ça va peut-être tuer. Là, on a rien de gagné. Ouais, la prochaine ouverture, c'est. Voilà. 1-0 pour W. Solide. Solide W. Qui sait mettre les dégâts. Qui va. Qui sur quoi là? Il est sur le premier tour de loser top 8, c'est ça? Deuxième tour de loser. Ah oui, loser top 8, c'est ça. Et troisième tour de loser. Ok. Donc là, Nono qui doit se comeback un petit peu, à trouver des meilleurs offenses, je pense. À la fumée ex, par contre, ça va faire mal. Ensuite, et bulle, fumée, et on va faire le combo. Il n'y a pas de quoi faire une deuxième bulle. Par contre, on met le pressing, on garde le pressing, on essaye de tuer. Il reste une barre blanche assez forte pour Kenono. Il faut la récupère. Ah, la perd. Ça fait une batte à zéro. Ah, la fumée, malheureusement. Et le combo dégâts. Le dégât, les combos assez stylés. Je vais vraiment les airs, mais par contre, j'ai pas de setup bulle après ça. C'est ça.
Ça fait mal. Ah, fumer, mettre à terre, bulle, voilà. Et là, on met la pression. Et là, on s'attue. Ah, c'est dur, dur, poisson. Hein? Et 2-0 pour. Ouais, 2-0 pour W. Et donc là, c'est Toby qui va jouer contre Fighter. Alors. Donc Fighter qui sort d'un très bon match contre Banshee. Oui. Oui. Et... Mais Toby, dans les derniers tournois, alors c'est en ligne, hein, mais ouais. Pu tuer Fighter. C'est... Ça peut être serré. Hein. Ça peut être Toby, il a beaucoup progressé en tout cas. Ouais, énormément progressé. Donc, faut... Il sait mettre ses pressings de Tenraya. On n'oublie pas, Toby. Tenraya. Une part Tenraya. Et voilà. Voilà, on n'oublie pas, c'est important. C'est important, c'est important. Voilà, de toute façon. Ça reste Laylay. Laylay, c'est un peu un perso bizarre. C'est. Ok. Et on est parti pour le match. Fighter to be ok, bonne première ouverture de Fighter. Ouverture qui fait super mal déjà. Voilà. Attention, il va falloir bien garder pour la Laylay. La pression qui est trouvée. Ah, là, et ça fait dur. Tellement mal dès le début. Et la barre qui a déjà fondu. Et là, ça tue. Une barre. Là, Fighter, en fait, il a qu'une envie, c'est de tuer, hein, j'ai l'impression. Il est là pour prouver que offline. Il est là pour tuer et qu'il veut gagner ce ranking. Hein. Ça se offline, sent. Il veut prouver que ça se passe pas de la même façon qu'en online. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et ça se voit. Hein, ouais, là. Très très solide pour l'instant. Là, il est solide. Il y a Toby qui n'arrive pas du tout à trouver son rythme. Le Tenraya qui va permettre quand même de mettre la pression. Ok. Il vient d'esquiver en défense. Et c'est tellement dur à attraper. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, il faut mettre. Voilà, une taille en Miami. Il a presque la première chauve-souris, mais c'est pas encore avoir ça. La chauve-souris. Ah, dommage, le Tenraya qui a pas fait de dégâts. Il a attendu, il va faire les dégâts. Il est bloqué, voilà. Et là, il prend la première chauve-souris. Maintenant, il faut être impérial. Ça pas confirmé. Le Mithy a pas été présent. Et ouais, et ça. Double une sorte overhead derrière. En fait, il voulait Mithy. Tenraya, ouais. Et le métier n'est pas passé, il a fait Tenraya, il s'est fait finir à part un live. C'est après, c'est dommage. Overhead. Bon, overhead, qu'est-ce qu'on. Franchement. Faut garder haut. Faut juste bloquer, c'est facile. C'est... Bloquer haut. Faut juste bloquer. C'est tout. Hein. Même page oh. Tipeee. En tout cas. On apprend qu'on a une page Tipeee sur la dose, donc n'hésitez pas à donner. À donner le Tipeee. Voilà. En tout cas, Toby qui trouve un meilleur début de match, ouais. Qui se fait moins écrasé dès le début, mais ça reste Fighter. Voilà, il est dans le coin, ça va être compliqué. C'est là, faut trouver un moyen de s'en sortir. Le Tenraya, il faut avancer là, pour s'échapper. Voilà. Très bien trouvé. Là, et là, il y a le pressing Tenraya. Il peut faire mal, ça peut faire super mal. Dommage. C'est fort, hein. Okay, c'est moi. Tu m'as tué au HFF. Ok. C'est pas toi qui. Non. Oui, c'est Milanais qui m'a tué. Non, c'est pas toi. Hein. Non, c'est Milanais. Hein. Ok. Et j'ai plus de mal avec Milanais, hein, bizarrement. C'est un bon joueur et c'est un cauchemar. Hein. Ouais, je pense. Hein. Cet enfoiré, il veut le prendre. Quentin, il veut le prendre dans sa team. Ouais, si. Moi, faut que je me trouve un teammate pour le VSV. Ouais. Ton frère, hein. Quoi? Faut que t'entraînes ton frère, hein. Bah, mon frère, ouais, s'il se motive, pourquoi pas, hein. Ça peut être fun. Mais en fait, le problème. Alors, et pendant qu'on discute, Toby et qui sont en train de faire et son match. Et 1-1 Toby, en fait, impressionnant. Toby, faut pas qu'on commence. C'est ça. Faut pas qu'on commence. On arrête de. Non, on arrête de commenter pour encourager Toby, en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais recommencer tout seul. Bonjour, là. Au revoir. Voilà. Vas-y Toby. Donc évidemment, je vais vous parler d'autre chose parce que ça ne sert à rien pour que Toby puisse gagner. Voilà, les bonnes premières ouvertures de Fighter qui va mettre directement Toby dans le coin. C'est dur pour Toby qui trouve pas d'ouverture. C'est bon, bonne chop. Il va pouvoir s'échapper. Ça inverse ses positions. Tenraya solide. Beaucoup de vie blanche du côté de Fighter, faut faire attention, mais l'avantage positionnel. Et bah là, ça va être difficile. Ok, le Gatling qui a raté malheureusement, qui est difficile ce Gatling. Ok,
première vie pour Fighter, mais c'est loin d'être perdu du côté de Toby, mais celui qui cherche des ouvertures, mais là, le momentum il est violent du côté de Fighter, beaucoup de violence pour Toby qui doit temporiser, et il doit être solide jusqu'à la fin, s'il veut espérer gagner, mais c'est dur, les instant overhead, et ça tue du côté de Fighter. Voilà. C'est difficile, hein. Difficile d'empêcher Fighter d'installer son jeu. Ah t'as fait un stand overhead, un stand overhead, un stand overhead, il a pas bloqué, hein. C'est dur, c'est... Mais en vrai, il a bien joué, Toby. Il a super bien joué. Donc, là, je sais pas c'est quoi le prochain match. Ouais, let's go, hein. Donc là, ça va être Yusha contre Fighter. Yusha qui était très très solide contre Nicki Minaj. Et Fighter, voilà. Tranquille. Ça va vite. Et Poisson contre QB. Je ne connais absolument pas le match-up. Alors, l'entière de la Lillet, le 6HP, il peut fonctionner, mais contre QB, c'est difficile à faire fonctionner, en fait. QB, il y a des trajectoires en l'air qui sont dures à gérer. C'est surtout pour ça que... Ouais, c'est lent, mais... Ok, bon. Là, faut voir... Allez, on cherche le deuxième commentateur, un mec qui connaît mieux Vampire que moi. Ok. Les mix-up, la bulle, c'est imbloquable, ça met le full combo. Et ça prend la première vie comme ça. C'est pas fini. Fighter qui a réussi à sortir du coin, qui a inversé les positions. Et qui va pouvoir mettre une phase offense. Non, ça va. Le chat qui défend très bien pour l'instant. Très patient. Et... Fighter, il peut pas trouver de grosses ouvertures, pas trouver de grosses pressions, mais peut-être là, même pas. Toujours Yusha très solide en défense, les bons PB. Ok. Ça remet Yusha dans le coin, et ça trouve enfin un kill qui a été vraiment long à trouver. Ok. Le poison. Ça met la bulle, mais un peu tard. Ça va être un peu difficile. C'est retourné à presque égalité du côté des deux joueurs. Ok. Pour l'instant, Fighter qui cherche les ouvertures. Fighter qui a besoin de ça, hein, qui est un peu en retard, qui veut pas jouer le temps. Et Yusha qui peut se permettre de jouer plus patient. Et qui a une très très bonne... très très bonne défense pour l'instant. Ok. Je vais pas te mentir, je connais pas Celay Lay pour te confirmer ça. Le guard cancel qui whiff bien, puni. Yusha qui est resté vraiment solide jusqu'au bout. Très très bon poisson. Donc après Fighter il a vraiment une très très bonne adaptation à chaque fois. Il a bien réussi à se réadapter quand il perdait des matchs. Donc à voir s'il a réussi à le refaire encore une fois. Donc on repart dedans. Et ça va commencer, ça pousse lentement Yusha dans le coin. Yusha qui continue avec sa très bonne garde. Qui réussit à pas trouver de... Fighter qui réussit toujours pas à trouver de très très grosses ouvertures. Et à mettre le set pleté, enfin le mix-up terrifiant de QB
en jeu. Ok, le mise au sol. Deuxième mise au sol, ça va utiliser, mais malheureusement, Yusha a réussi à s'échapper. Et voilà, ça prend la première chauve-souris. Fighter qui a un peu d'avance, s'est adapté petit à petit. Il devient solide. Ah, le Dark Force qui vient d'utiliser. C'est dur. Là. Ok. Ok. Ok, donc. Là, sur Vampire, on va tout enchaîner. Ok. Yusha qui a pas. Qui s'est un peu laissé dépasser cette fois-ci. Les phases d'avance de la QB qui ont été trouvées, et bah, dès que ça trouve, QB c'est très très fort, ça fait extrêmement peur. Et là, ça va repartir sur un nouveau match. Ok. Le chat qui se retrouve encore une fois dans le coin très vite. Fighter qui reprend phase d'offense. Surface d'offense, ça fait très très peur. La bulle, mais la bulle qui vient d'esquiver. Ok. Petit avantage à la vie pour Fighter, mais ça ne veut rien dire, ça va trop vite. Ah, à peine le temps que je finisse cette phrase, c'est revenu à égalité. La bulle de miel. Et là, ça remet. Yusha est encore dans le coin, mais à chaque fois, il est dans le coin, il réussit à s'en sortir. Des très bons sauts, des PB. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Il est très souvent sur la défensive, il trouve pas de phase d'offense en fait. Donc. Même s'il défend très bien, au final, petit à petit, il se fait gratter des PV, il en perd lentement. Ok, la Dark Force qui est utilisée. Il ne se fait pas punir sur la dernière fois, c'est bien fait. Il a juste au bon moment. Mais là, encore une fois, une pression de Fighter qui ne laisse aucune chance à Yusha pour l'instant. Il faut qu'il sorte de la bulle. Ok. Il prend la première chauve-souris. Il faut qu'il remonte à la vie là, lentement. Il n'est pas encore mort, mais la chauve-souris qui va tuer malgré. Malgré le tech kit. Voilà. Je suis pas fighter, évidemment. Donc là, ça va être W contre Toby, je crois. Voilà. Donc ça va être encore un poisson, les poissons qui survivent là. Beaucoup de poissons dans ce tournoi. Ok, ça commence. Et là, faut voir comment ils s'en sortent. Mais pour l'instant, Toby, Montenaria. Toby qui a un gros avantage à la vie, qui a trouvé un bon momentum dès le début. Ok, la Gatling. Tenraya. Il n'y a plus de barre, il peut plus Tenraya. C'est ça. Donc W qui trouve la première vie malgré un très mauvais départ, il reste juste au bout. Et Tenraya qui est solide. Dans le coin. Et Toby qui réussit à égaliser. Presque égalité à la vie. Ça va voir. La bonne tech qui permet de s'éviter le Kizeme. Et là. C'est difficile pour Toby, il faut qu'il patiente, qu'il récupère sa vie blanche. Et là, ça va tuer. Le coaching est interdit, voilà.
Le monde entier contre toi. Donc là, l'équipe grenobloise qui est derrière son champion, Toby. Ok, Totem Raya qui fait overhead. Ça fait quand même très très mal, hein, comme super. Là, Toby, il faut qu'il trouve les solutions qui se réadaptent. Je pense que c'est possible, hein. Je pense qu'il va parfaitement la gagner. Et la bonne chop. En plus, avec le CGIX. Quoi? Allez. Et le Tenraya qui tue. Ouais, voilà. Ça reprend la vie, hein. Il a une barre Tenraya, voilà. C'est les vrais conseils. Ok. Là, il est patient, Toby. Voilà, Tenraya, parce que c'est bien d'être patient, mais il a des barres à utiliser. Normalement, c'est une barre en Tenraya. Et là, il s'est fait finir malheureusement sur son Tenraya. Hein. C'est dommage. Ok, il bloque bien, mais beaucoup de vie blanche, hein, faut faire attention. Il a mâché dans le Tenraya, il se fait punir. Dommage, mais bon match du côté de Toby. Donc là, l'équiminage Banshee, voilà. Et donc... Il y a un favori, il semblerait. Salut Akkad, ça va? Allez, Banshee qui commence, le maître. Ok. Tranquille. Bonne mise au sol. Ça va continuer à mettre la pression. Banshee qui est toujours très très chaud. Oh, c'est passé de l'autre côté, c'était dur à voir ça. Et donc maintenant faut voir, hein, est-ce que les clignages peuvent come back? Pour l'instant les clignages qui ne se laissent pas faire. Donc avec Felicia, la bonne chose qui est trouvée. Et ça va tuer sur l'OTG. Je pensais pas qu'il serait aussi assez loin pour l'OTG, mais... Ok. Ok. Ah oui, c'est bon. Il est vraiment un bon momentum, il est... Mais c'est Banshee Bot en face. Hein. Banshee qui est toujours très solide. Ok, bon tech hit. Ok. Banshee qui a plus besoin que d'une seule grosse ouverture. Hein. Selon le bouton, ça peut même tuer un seul bouton. Et l'éclinage qui a plus besoin d'un combo ou de deux ouvertures. Hein. Faut voir ce qu'il trouve. Les deux jouent très bien, mais sans forcément pour l'instant la bonne chop. Il a voulu mix-up, mais Banshee ne s'est pas laissé avoir sur le mix. Et le LP! Le SWMK into LP qui est tellement solide.
Non, non, 6 frames, c'était Street 5. Oui, mais le buffer, il est... voilà. En tout cas, vampire, il n'y a pas de buffer. Enfin, si, non, non. Ok. Mais, en tout cas, faut rester solide. Kina qui avait trouvé des très bons momentum, hein, mais... pas, qui avait pas réussi à conclure, les gars essayent de refaire. Mais il faut rester sur cette bonne lancée. Ok. Ok. Il a bien inversé les positions, hein. Il a récupéré le coin, ça va faire pas mal de dégâts, et le mythique qui tue. Solide. L'imbloquable, ça passe de l'autre côté. Cette fois-ci bien bloqué par les cuminages. C'est la pression de Banshee qui rigole zéro. Ok. C'est celui de Kinez qui a beaucoup de retard à la vie pour l'instant, qui a même pas fait la première chauve-souris de Banshee. Mais c'est encore faisable. Faut juste être très solide. Et là, il a une occasion peut-être, le Dark Force qui permet d'éviter. Ok, la chauve-fée qui se fait mâche évidemment. C'est peut-être une erreur d'exécution. Voilà. Le low MK. Trop solide. Si je me mets au milieu, en fait, je suis en même temps pas Karl Key, pas Fighter. Ah ben voilà, ils ont mis mon pseudo. Donc pour l'instant je suis tout seul, faudrait peut-être que quelqu'un vienne pour m'aider. Hein, parce que c'est pas que je connais pas le jeu, mais... mais c'est pas grave si t'es salé. Je viens, mais je veux... Vas-y, partage-nous. Je veux plus jouer. Vas-y, partage-nous ton sel, là. Voilà, parle-nous de ces deux personnages. Putain, je suis une merde. Bon, allez. Voilà. Sinon, du coup, on est quoi? Je sais pas si j'ai... Là, c'est loser semi, c'est pour le top 3. C'est match pour le top 3, là. Ok, ouh. Et là, W qui a fait un très très bon tournoi jusque-là avec son poisson. C'est vrai, il m'a cassé la gueule. Voilà. On a dit, restez positif. Je déteste ce mec. Vas-y, prends-toi les missiles, mec. Non, allez. C'est pas gentil. C'est en tout cas voilà, Banshee-Bot c'est après. Hein, pour, c'est bon, il arrive à mettre dans le coin peut-être une bulle. Ouh, la roll qui allait assez loin, j'ai l'impression que. C'est bonne tech hein. Que le poisson il a pas. Il a fait la roll peut-être. Non, il a fait la bulle peut-être. Un peu trop un petit peu loin, attention, la punition directement, grâce aux deux bottom. Ok, hein. Pour l'instant, Banshee-Bot. Le poisson qui va se prendre le combo. Ouais, il déconne zéro Banshee là. Hein. Non, il fait les combos directement, voilà, la marle. Petit drop. Un peu loupé parce que trop loin, la petite bulle en essayant, mais bon. Un peu loin. La boulette, elle peut s'en. Oh, quoi, c'était bizarre. C'était particulier comme interaction, mais c'est pas grave. Avec le LP, ça s'est bien trouvé. Peut-être pas combo parce que ça, c'était le setup d'imbloquable. Et le lit, le c'est compliqué la chauffer, ça va tuer, ça va faire très très mal, et c'est parti. Ça va tellement vite quand Banshee joue, les phases d'offense vont très vite. Ouais, c'est compliqué, hein. Tu te dis, tu vas manger d'HMP, et en fait tu manges Shop-Spé, t'es... Oui, ça fout un peu le seum, tu es là, est-ce que je dois garder le HMP ou est-ce que je dois faire un truc pour pas me prendre la Shop-Spé, mais si je saute, j'ai d'HMP. Ouais, c'est... Bah, c'est un peu les phases. C'est, t'arrives et tu fais, ah bah j'ai pris un MP, bon bah c'est un 50-50, allez. C'est un peu ça, plus sur les sauts, il y a un blocable bien sûr avec ce personnage. Ouh, il a tenté, voilà. Il a tenté d'être super funky. C'est ça, mais... Le poisson, là, qui a du mal à approcher ses trucs, c'est bon, une balayette qui a été trouvée, l'entière, super, voilà, le lit, il faut pas, faut faire attention, le sac en combo, loupé, mais c'est pas grave, parce que ça a mis déjà beaucoup de dégâts. Ça l'a fait dans le mauvais sens, bon, dommage. Et donc, bon airshop, trouvé de la part de Yu qui met la boulette dans le coin, mais c'est pas grave. Directement, il arrive à trouver ça. Après un saut dans les airs, il est passé derrière, ouh, mais ouais. Il a pas été. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Le rôle d'interaction à chaque fois. C'est pas passé. Ok. Attention, le MP, voilà, ça a été paniqué, c'est puni. Voilà, la punition directement. Le sac au loupé, mais c'est pas grave, ça fait déjà les dégâts. Oh, ça a touché du bout. C'est pas, okay. C'était pas combo, mais bon, c'est pas grave.
Ok, là le sac au combo. Presque. Et l'air chope derrière parce que c'est pas grave. Protégé pour s'approcher. Bah gros point. On est dessous. Bonne entière. Et la chope spé. Ouais. Salut. Et Adrien, Bantubot qui gagne. Voilà. Qui a de très voilà, bons muscles. Voilà, qui remonte, très qui remonte le loser bracket. Hein. Oui. Bon. Parce que je tiens à dire qu'il était au round 1 loser. Hein. Non, c'était moi au round 1 loser. C'est lui qui m'a battu au round 1. Non, mais il m'a aussi battu au round 1 loser. Il t'a battu avant moi ou il t'a battu? Ah, mais non, il m'a battu round 1 winner. Ouais, et toi, il t'a battu round 1 winner et moi, il m'a battu round 1 loser. Ah, c'est pour ça. Aïe aïe aïe. On est des victimes de Ventimont. Putain, j'en ai marre. À chaque tournoi, je tombe contre lui dès le début, ça me saoule. Bah. En tout cas, du coup, ça va être Banshee contre Yush. Ouais. Et Banshee pour l'instant qui a envoyé Banshee en loser, on me demande dans le chat. C'est Fighter. Fighter. C'est Fighter, ouais. Fighter, voilà. Banshee, round 2. Vas-y, Yusha, souffle. Et on fait un gros bisou à Duchny, bien sûr. On ouais, salut, salut Duchny, ça va. Et Banshee-bot qui va affronter Yusha, ouais. Attention. Yusha qui les est très chaud aujourd'hui. Le c'est l'éclinage qui est derrière Banshee-bot. Voilà. C'est son ami. Clairement. Les deux sont ses amis, c'est un match un peu fratricide. Tranquille. Les deux jouent très souvent ensemble. Ils sont très amis. Du coup, le match-up se connaît. Oh, la bonne chop. Yusha qui va tenter des approches à coup de dash. Ok. La bonne garde, malheureusement. Là, ça fait un petit peu mal, le saut gros point. Ouh, pour l'instant, avantage quand même. Ouais, Yusha, Yusha. Qui est très solide. Hein. Très, très solide. Et là, maintenant, faut revoir si Banshee trouve les phases offense. Et ça a l'air de commencer un petit peu là. Comment ça passait? Ouah, il est passé sous le missile. Le poisson a le combo qui va faire très très mal et du coup là l'état qui a pris un avantage énormément considérable. La chope, c'était très bien joué. Bien joué Yusha. C'est comme ça qu'on avance dans le match, c'est comme ça qu'on s'en sort. Voilà. Et des solutions. Il est dans le coin, ça bloque gardé. Bien. Attention, attention, il a tenté de faire un pas gros point malheureusement. Bon match. Il est airborne de poisson, du coup il peut être gardé. Ouah la face, ça c'était de la face de P2. Ah. Je pense qu'il pote qui s'est P2 tout seul, on va le rappeler. Mais c'est pas grave, la phase derrière, il y a protégé derrière, dommage, ça aurait pu tuer ça. Le missile, Banshee-bot qui a du mal à approcher ce poisson qui a une bonne garde. Wow, ouais. Il fait des sauts. Yusha très très bon défensivement pour l'instant. Yusha mais... qui est tranquille dans le coin. Wow, et... le cross-up, l'auto-cross-up, c'est pas grave. Banshee qui rééquipe direct. Pour l'instant, c'est très très even. Ouh, les deux ont des très bonnes gardes. Oui. Oh, le missile, malheureusement, sur ça. Voilà. Yusha qui bouge pas du coin, qui tente d'approcher. Ça nage avec ses un petit peu. C'est safe. L'entière tentative. Ouh, le saut arrière là-dedans. Il a pas eu peur de se prendre n'importe quoi. Ok. Les bons push blocks, ça passe au-dessus, mais ça va pas toucher. Oh, il y a eu une mine. Oh, oh, attention. C'est, attention, c'est le missile qui a double touché pour l'instant. Banshee-bot qui a une avance considérable. L'arc est tellement even. Attention, ça peut revenir. La vague, il a fait la vague. Il a fait la vague et c'est passé. Par du contre, coup, la vision de Banshee-bot, il a l'avance. Il a l'avance. Yusha qui a juste à attendre tranquillement, pas trop se prendre de trucs. Mais je crois qu'il a remonté grâce au missile. Là, il va falloir que Banshee-bot. Non, Yusha il touche. Oh, c'est tellement serré. Ouais, seconde. Serré. Où il est passé devant, derrière. Il a pas confirmé. Il a pas confirmé. Le missile qui va pas tuer. Et là, il va jouer le temps, évidemment. Bah oui, il a 3 secondes. Il va se barrer pendant 3 secondes, il a que ça à faire. Attention, voilà, il est revenu. Oh là 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 là. Il gagne. Et Banshee-bot qui remporte ce match. Yusha, c'est pas fini encore. Yusha qui se fait coacher par Fighter, le coach. Tellement rude. C'est là, c'est compliqué. Hein. Ils étaient vraiment even. Il y avait un tout petit avantage pour Yusha. Ils se font un combo et il peut plus c'est revenir. Un peu, ça... C'est un personnage qui fait match. Le personnage de Bouletta, en plus, il peut faire ouais, une bonne barre de quand ça fait beaucoup de choses. Quand t'as les combos de Banshee-bot, ça fait très mal. Hein. Oui. Ça peut aller très très vite. C'est... Après, une ouverture avec la bulle de Yusha et ouais, c'est terminé à deux aussi. C'est un petit combo, un petit imbloquable. Y a des imbloquables sur Bouletta aussi qui ne coupent pas une barre, ouais. Donc c'est bien aussi. Le missile directement, Yusha. Ouais. Malheureusement, qui là peut-être. On ne sait pas pourquoi okay. Ça compte, c'est bizarre. C'est pas grave. En tout cas, pour l'instant, Yusha qui défend très très bien. Wow. La garde, elle est présente. Ouh, ça fait des blows. Je sais pas trop ce qui se passe, mais ça gagne marche. En poke. Oh, là, sur la double touche. Ok. Ça, c'est triste quand ça arrive pour Banshee-bot. Il est passé derrière, il est passé devant. L'OTG, bien joué. Qu'est-ce qu'il va avoir bien trouvé. Après
Il a attendu. Ouh, il saute, encore la phase bizarre. Et cette fois-ci, c'est Mantibot vu qu'il est P2 qui prend l'avantage. Ok. Ça va la mine, l'anti-air, au cas où. Il n'y a pas de confirme derrière. Reste calme. Temps, c'est impossible, ça saute, mais du coup, c'est anticipé de la part de Mantibot. Le combo, le sac en combo. Là, c'est. La Yusha, il n'y arrive plus. Dur, mais. Le pauvre Yusha. Et du coup, on va se diriger vers une grande finale. Fighter Banshee. Fighter versus Banshee Bolt. Est-ce que quelqu'un aurait pu parier ça? Je ne sais pas. Je pense que c'était à peu près ce qui était logique. C'était un sarcasme quand je disais que personne ne pouvait le parier. En tout cas, voilà, les deux meilleurs joueurs de loin. C'est vrai. Fighter qui joue beaucoup mieux sur board qu'en ligne. Bah, c'est pas le même feeling, hein. C'est vraiment pas le même feeling. Moi, je sais que j'ai pas mal joué sur FightCAD récemment. Et ça m'a fait bizarre. Ouais, vas-y. Oh là là, et du coup, j'ai un ami qui vient commenter. Bonjour, mon cher ami. Venir commenter. Oh bon. On sait, hein. Ça, c'est pas un très bon tournoi pour Grenoble. Va falloir. Enfin, si, pour Top Fighter, c'est très bien. C'est bien. C'est le vrai grenoblois originel. C'est le grenoblois. Il a le t-shirt Bitbat 38. Et on est parti pour la grande finale. Banshee-Bot Fighter, Banshee-Bot en loser. Oh là, Banshee-Bot qui nous vient des losers. Loser. Oh là là. Et on est parti. Ça va mettre la pressing. Ça vole en l'air. Oh là, je crois que ça donne. Il y a une envie de Banshee-Bot de gagner. En même temps, il a pas perdu encore de ranking, je crois, cette année. Non, il a pas perdu de ranking. Son objectif est de gagner. Et de gagner tous les rankings. Il avait un objectif. Est-ce que c'est aujourd'hui Fighter venu je sais pas. Hop là. 1, 2, 3, 4. Ouais, attention, ouais. Voilà. C'est joli, mais on fait le dash avant, on met la pressing. Avantage Boulessa en petit poc hein, pour l'instant, hein. tout en, ouais, en solaire, c'est là, dur. Tout le monde est dans c'est les airs. Sûr de choper la Bouletta. L'objectif de Fighter est de le mettre à terre et de qu'il ne saute plus. Et voilà, oui, on va mettre NP pour empêcher ça. Sauf que la Bouletta est très bien, qu'il y a trop de ouais, dommage. C'est ce qu'il faut, le combo et pour l'instant l'avantage. C'est compliqué. C'est ça. Attention. Ouh, il y a eu des phases. Aïe, 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 Bouletta, la pauvre. Du coup, il essaye trop de sauter, j'ai l'impression. Le pauvre Banshee-Bot, il se prend quand même beaucoup de coups dans la tête parce qu'il essaye de faire des trucs. Et à l'inverse, voilà, Fighter ça, essaye de MP, mais par contre, les dégâts de Banshee-Bot, dès que ça ouvre la garde, ça fait mal. Le problème. Et c'est voilà. Par Fighter, contre, shop. Il a trouvé plein de bons potes. Les activations. Et voilà. Bouletta, elle fait quand même assez mal. C'est ça. Si on parle en jeu de poke, en jeu de combo. Wow. Là les dégâts, ça fait mal. Ah, on est déjà mis et bas, un meeting qui faisait mal. Il est derrière. Ça take hit. Bien sûr. Ça cross up, ça fait mal. Ça, c'était imbloquable. Et il est passé derrière lui, 100%, c'était une chop. Pour aller finir, Banshee-Bot. Banshee, c'était une chop à la fin quand t'as voulu, non? Non, il est juste allé trop loin. Il cross on dash on. Ça a fait un truc. Ouais, c'était bizarre. Et le second match qui va se lancer. Ça veut jouer Victor. Final, t'as hésité. Non, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Ça va être il est allé sur Victor. Ouais. Non, non, son appel est inacceptable. Oula, et on parle en deux secondes et déjà, Kubin n'a plus de vie. Et ça se tue. Et ça se tue. Et finalement, il a retombé la barre blanche. Le cas, mais ça entière du coup. C'est bon. Le MP, il lui dit saute pas, il lui dit saute pas, il arrive pas à le finir. Il saute quand même. Il en a rien à foutre parce qu'il sait que dans les airs, c'est lui qui va sûrement gagner. C'est lui le roi dans les airs. Pour le temps, la belle, il y a des fidèles. Oh là là, il reprend la vie, ça fait mal. Voilà, c'est bon, il a pris l'avantage. Oh, il n'a pas su tuer et ça va être compliqué là. Il y a un gros avantage pour le Banshee-Bot à avoir une batte. C'est compliqué, il va falloir qu'il fait les dégâts, il met le pressing. Oh, il a tapé en cross-up derrière lui. Ah, il a pas tué. Il va camper sûrement. Il a campé. Il a une raison d'aller. C'est ça. Pour son adversaire, ça c'était un touch block apparemment. Ouais. Mais il peut repérer là. Et on est d'accord que c'est finissable, non? J'ai jamais réussi à la mitraillette. Non, c'est. T'as vu? Ah!
Apparemment, LP était coincé dans le match. MP, il a éclaté la borne. On prend. Et Reset. Et c'est reparti. On est reparti. Le reset de la grande finale, 0 à 0, les compteurs sont mis à 0 bien effectivement. Oh, c'est invisible, voilà. C'est dégueulasse, voilà, on calme les sauts de la Bouletta, coup oui. De bruit, mais là le combo malheureusement. Ah, malheureusement, il n'y a pas eu de hit avec. Il aurait dû avoir une phase, voilà, garde qui est bonne de la Bouletta, qui a envie de rester. Le cross-up, c'est pas combo. Mais pas combo parce que quand il tapait, ça a mis du mauvais côté tellement que c'était cross-up. Oui, c'était trop loin et je sais pas, ça devait être trop, je sais pas trop ce qui s'est passé. Wouah, la garde en l'air. Ouais. Malheureusement, il a dû lâcher la garde, il s'attendait pas à la mine. Voilà, mais voilà, on saute pas du côté de Bouletta, on n'a pas le droit, c'est interdit contre cette abeille. Ouh, il réussit, il a sauté. Garde cancel. Il arrive pas à l'empêcher de sauter, hein. Non, pourtant, ça a l'air d'être un peu la clé. C'est comme ça qu'il avait battu au premier match. C'est ça. Bien confirmé. Ici, le roi des confirmes, c'est bien sûr Banshee-Bot, le super joueur qui joue la couleur verte. Ouh, là, il y a eu une phase assez voilà. Étonnante. Et là, ça fait première fois que le fighter a l'avantage en termes de bat. C'est à ce moment-là qu'il faut enlever beaucoup de barres dans Banshee-Bot et le tuer avant qu'il arrive à te tuer. Ça punit pas l'activation Dark Force. Hein. Je pense qu'il était déjà en dash arrière. Voilà, ouais. On empêche de sauter le Banshee-Bot qui a toujours envie d'aller voir dans les airs s'il y est. Et oula, Shane en l'air. La Bouletta qui est mise à mal là dans ce match, il n'arrive pas à enlever la barre du joueur. Chrono Blois, ça racle le sol. Voilà le combo. Attention, tu sautes pas parce qu'il y a un MP. Voilà le saut qui va saut panier. Chope. Ça va choper. Et ensuite, il y aura phase. C'est bien défendu. C'est bien gardé. Ça, c'est tellement compliqué. Là, ça veut pas se mettre des. J'ai l'impression que Fighter il a peut-être un peu peur de gagner. Il veut attendre, il veut pas. Voilà, c'est le destin. Bien sûr, lui. Il l'a dans le coin. Ça a pas touché. Il a un IAD qui a pas marché. Le LP, attention, ça combo pas. Il reste 16 secondes sur un combo 2. Ça peut faire très mal. Ça suffit. Non, mais ça va pas aller. Il va le verrier. 1-0 pour Fighter. Grenoble. Et 1-0 pour l'instant pour Fighter. Mais chantez pour Banshee-Bot aussi, vous avez loin. Ici, c'est Villeurbanne. Ici, c'est Villeurbanne. 6-9 Patrick. Ici, la Perlière. La Perlière, attention, c'est parti, deuxième match. Et ça passe devant, derrière, attention, les passes Banshee-Bot qui est un joueur talentueux. Balle de match, hein, pour Fighter. Oui, balle de match, alors que match. Il a mis le round qu'il fallait. Et voilà. La Bouletta, voilà, elle a envie d'attaquer. Là, il est hargneux à Banshee-Bot. Et il arrive à trouver ses ouvertures. Fighter qui a du mal. Attention. Mais avantage quand même pour la QB pour l'instant. Et je dis ça, il reprend l'avantage avec des pocs. C'est compliqué de garder l'avantage. Mais pour l'instant, c'est très faible. C'est très faible, c'est pratiquement even. Ça fait pas de grosses ouvertures. Non, là, il se touche plus en poc. C'est en poc, voilà, en poc. Mais pressing, Fighter, mais il a l'avantage pour l'instant. Waouh, il est revenu, il a fait une retournée. Le combo pas max. Grosse ouverture, mais ça a pas puni. Oh, le cross-up. Par contre, invisible, attention, ça co-combo. Ça chope. Super malin. Il passe derrière lui, c'est cross-up. C'est bien gardé le. Le light pour en tirer. Le cross-up, c'était aussi extrêmement fort. Le bal pour aller trouver l'imbloquable anti-air. Waouh, c'est joli, bien gardé. La 2 Fighter qui a pas puni, dans les problèmes et qui a quand même une bonne garde. Et c'est compliqué d'empêcher voilà cette Bouletta de lui rentrer dans Fighter qui hoche de la tête parce que là c'est dur. C'est compliqué. Il arrive plus à gagner en poke. La Bouletta, elle est vachement énervée. Un Banshee-Bot. Il est énervé, là il a envie de sauter. Confirme pas le. Oui, c'est vrai qu'en plus, malheureusement, il n'y a pas les confirmes. Moi, c'était joli. Le RDH, attention, les passes au-dessus. Le RDH, RDH, ça tue. Allez, il reste plus qu'une barre pour Fighter 2 pour gagner. Attention, c'est tendu, mais par contre, il y a quand même avantage pour Banshee-Bot. Avantage pour Banshee-Bot. Attention, le pressing, ça se regarde de loin. Ça se regarde, ça n'a pas envie. C'est un match de neutral. Waouh, le confirme! Le confirme, ça va faire mal! Ouh, et oui, il est en pressing. Il a trouvé une ouverture, regardez la barre que et là, ça a enlevé. Il suffira une deuxième ouverture et ça tue. Oh, attention, ça confirme! Et un. Bonjour, Alec Moon, tu arrives au moment critique! Tellement tendu! Voilà! Transpiré! Ah, le c'est Grenoble! Arrive! Ici!
ici c'est Grenoble. Ici c'est Grenoble. Ouais. Et on est parti pour ce dernier match. El Lasto Macho. C'est parti. Personne n'est pour Mantibot apparemment, pas de ouais, chance. Pas de chance, c'est le méchant Mantibot. Mantibot, c'est là. Il va se prendre des dégâts. C'est les ennemis. Est-ce qu'il va faire comme dans le trailer? Est-ce que Mantibot va tuer tout le monde? Le confirme, il est passé derrière, mais la garde est excellente. Le take it de la Bouletta. On voilà. A pas envie de perdre ici. Déjà, il y a eu la remontée de la QB, très bonne garde. On est passé par en dessous, on est passé sous le missile. Oui, c'est ça. Reviens les bons push-blocks, voilà, et regarde en l'air, attention, le missile très très bien gardé par la QB, ça en passe devant, ouh, le petit LP, on est passé derrière, il n'y a pas confirme, moi, la garde. Ah, dommage, la garde. Ah, ça c'est un blocable par contre, oh, c'est encore un blocable, ah, QB, elle peut rien faire, elle est en train de se faire un blocabilisé, c'est dur. Le missile, oh, attention, la garde est bonne, ça fait mal, la garde est bonne, et on se fait chip là. Compliqué pour Viper Wild. Il a essayé d'entier, mais il était déjà passé en dessous. La stock pour QB, mais par contre, elle attention, a rien dit. Voilà le pressing. Il a pas de sujet. C'est bon. Il est au sol. La stock. C'est tellement serré entre les deux joueurs. Attention, Grenoble contre Villeurbanne. Ça ne punit pas. C'est quoi cette punition? Il y avait mieux à faire ou pas? J'en sais rien. Bah ouais, au moins. Il fallait faire quelque chose, il y a eu peut-être un attaque mal. Ça passe par-dessous, attention, les barres de vie sont tellement égalité. C'est ça, on n'est pas qui va gagner. Attention, on a un avantage pour Antibot. Le missile s'est passé en dessous, l'anti-air à bout de MP. Sans la boule. C'est bien gardé, le MP, tu sautes pas. Pas combo. Ou la bonne garde, non, malheureusement, ça confirme pas. Mission c'était de trop loin. Directement. Ça envoie du sang. Bulle. Ça garde le pressing. L'autre bout de l'écran. Oui, voilà, OTA, mais par contre ça faisait rien. Oh, punition du missile peut-être. Le miel, c'est où? C'est devant, c'est derrière. Ça arrive. Qu'est-ce que ça arrive d'où? C'est tellement bah, il a toujours gardé. Pas pris de hit, ça a gardé. Oh, c'est pas confirmé alors que ça aurait pu tuer ça. Le miel qui est envoyé. Mantibot, il peut tuer avec le miel, j'ai l'impression. Il reste 10 secondes. Attention, peut-être sur un coup de panier. Il est passé au-dessus. Il finira avec un coup de panier. Villeurbanne qui gagne. Oh là là, Mantibot, quel beau match, Mantibot. J'ai gagné. Ouais. Bien joué Villeurbanne, bien joué à tous. Le c'était beau. Finalement, bravo. Invincible, toujours pas perdu de tournoi. Non, il est toujours imbattable. Le mental est présent, Mantibot, quel monstre. Ah là là, quel monstre. Il va sûrement gagner 2x. C'est il la première fois qu'il a eu autant peur. Regardez-le, il transpire, il va pas bien. Il tremble. Mais il a ouh là 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 là. Il est tellement fort. Ah là là. Bien joué à tous. On a. Le seul truc, c'est à un moment, il a fait le aïe, 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 aïe. Fait light. Merci à tous, merci d'avoir suivi, merci tous les gens qui sont passés. Non. Mantibot, non. Tu as été magistral aujourd'hui en ce super tournoi. Gros bisous. Des bisous à Duchny et Highlight et Aikad aussi, merci. Merci. J'espère que vous allez venir un jour, hein. Faut venir, hein. Surtout Aikad. Aikad, le VSB, faut venir. Il faut venir, les amis, le VSB, faut venir. Le VSB, t'as pas le choix. Non, mais oui, bien sûr, depuis longtemps. Mais le VSB, tu prends la place. Mais faut venir, faut tout le monde soit là. C'est VSB, venez on a VSB. Besoin de vous tous. VSB, bébé, de toute façon, Duchny, tu as déjà ton sparring partner qui est en train de détruire toute la France en ce moment. C'est ça, il est invincible. Il est indestructible. Après, est-ce qu'il sera indestructible face à nos invités de qualité? Qui seront les invités? On ne sait pas qui sont les... Est-ce qu'il va gagner là. Mais Adrien, qu'est-ce que tu comptes faire contre des potentiels japonais? Écoute, il se trouve qu'on va au Japon en septembre avec la team que vous voyez en commentaire. Ouais. Et bon, on va recruter, j'imagine. On va le Japon bébé. Viens, on prend un Jap pour, pour le VSB. On veut faire une team. Et on gagne le tournoi, comme ça. On y va, on donne des petits papiers là. Bonjour. Voulez-vous être avec moi pour le VSB? Voulez-vous être une team? We have a Frenchie. Et je fais, oui, exact. C'est bon. Oh là là, ah là qu'est-ce que ça serait. C'est quoi le prochain? Parce que nous on dit de la. C'est Garou. Ah ouh, ça va être Garou. Garou. Moi je veux faire.
C'est très mignon. Udon, c'est le chat de Dicky Minaj, si vous voulez savoir. C'est mon chat. Ah oui, je suis en nage, hein. Putain, je... C'est ça. Une meilleure Félicia que moi. Une meilleure Félicia que moi. Un meilleur chat, il attrape mieux la souris. J'ai des vidéos où il utilise le stick, hein. T'as pas vu ? Craqué. Et une fois, il est venu. Une fois, il est monté sur la borne et il faisait comme ça, c'est avec le stick. C'est super chaud. Sur la borne. Et j'étais en mode. IAD, là, moi j'ai vu un IAD. Il a fait un IAD ? Non, il fait les dash. Oh. Le MK pour, ou HK pour faire comme Félicia. Bientôt. Ça, malheureusement, c'est... la patoune, elle est pas assez loin. Il a trop des petites patounes. Quand il sera plus grand, tu les apprends. Du coup, nous, on va commenter Garou. On va commenter Garou. Alors ? Et c'est parti, Garou, il y a plein de personnages, il y a but. Alors, ça n'a pas commencé tout de suite. On attend. Il y a régir de la technique. La régie. T'es là ? Chou ? Oui, on est double, je suis double à chaque fois. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir Street Fighter 6, le jeu. Le jeu du moment. Apparemment, j'ai ouï dire que ça, il y avait quelques petits problèmes de lag, mais ça va. Des lags ? Ouais, apparemment sur PS4, il y a du lag impute. Ouais, PS4. Merci. Ils ont qu'à jouer sur des cathodiques. Vous avez qu'à pas jouer à Street Fighter. Faut jouer sur borne. Hein. Oh là là. Oh, attendez. Oh là là, Isargat, la personne la plus belle du monde, numéro Uno Master, vient d'arriver et est en train de changer. Oh là la borne, là. Le stick, je sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais quelle belle personne. Ça, c'est quelqu'un qui me donne foi en l'humanité. C'est vrai. Tous les jours. Tous les jours. Je suis fan. On est fan. Moi, je suis clairement fan. On est only fan. On est only fan. Il n'y a pas de only fan de Zargat pour l'instant. Si vous le trouvez, dites-le nous, sinon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est d'importance capitale. Primordial. Urgent, primordial. S'il vous plaît. Ah. Sinon, qu'est-ce que vous avez envie de voir ? Parce qu'on peut montrer. C'est qui le joueur à Garou ? Je sais pas qui c'est, les joueurs à Garou. C'est pas moi, en tout cas. Est-ce qu'il peut toi, nous dire ? Non, moi, je suis mort. Ouais, moi aussi, je suis mort. Mais j'ai battu Zimman, je suis heureux. Waouh, wow. Mais il a. Niken Zagat et Ako Gigamesh. Ah ouais, y'a pas Mitsu. Oh là là, on va avoir des matchs incroyables entre Ike Nogef et Zargat. Ah bah non, oh là là. Bah non. Et on a Xilo qui vient d'arriver dans le chat, qui est le commentateur officiel du HFS. Officiel. C'est l'officiel. Il n'y en a pas d'autre. Non. Tu en connais un autre ? Non. Non, j'en ai pas vu. J'ai cherché, mais pas vu. Mec, franchement, il n'y en a pas. Hein. Ouais. C'est le meilleur. C'était le meilleur. C'est toi, le meilleur. On l'a applaudi tout le monde. On l'a tous applaudi. Il avait oublié sa veste à un moment. On de Xilo. Attention. Le beau gosse. Ouais, le commentateur. Il est trop beau. C'était le commentateur du HFS. Ouais, incroyable. Il est génial. Il est tellement cool. En plus, ouais. Il va au Japon. Il va au Japon. Ouais. Je ne même pas. Si, je crois qu'il vient avec nous. Il est avec nous. Là là, oh là là. Mais que du bon monde avec nous. C'est vous beau. Êtes jaloux, vous avez le droit de l'être. Parce... Nous, on... Dab. Oh, il va au Japon à skip. Oh, bah, ça, c'est de la news qui donne le smile. Ah, regardez. C'est... Hop, Snoopy. Champi. Snoopy, c'est des champis. Des champis. Ah, des bouge pas, Yusha. Gros bisous à Malak. Gros bisous. Que de l'amour. J'adore l'amour. Il fait des bisous aussi. Ah bon ? Yusha, bouge pas, viens avec nous. Yusha, hop. Yusha, bouge pas. Moi, je bouge pas. Il se passe quoi ? Attends, mais... Ah, il m'a mis à tout. Désolé. J'ai envoyé des MP. Mais tu as fait... Quelle place a fait-tu à Vampire ? Il a fait trop... Bah, si c'est très bien. Si j'étais pas en retard, peut-être j'aurais fait voilà. Pas en retard. Le retard. Les frames de retard, on les connaît. Hein. Eh bah là, c'était des bonnes frames de retard. Ouais. Aïe, malheureusement. Attention, la prochaine fois, c'est ban. Hein. Ah ouais ? Ouais, la prochaine fois.